Et bonjour les copains et bienvenue dans mon monde. On se retrouve aujourd'hui et on va continuer avec mon ami William Hirt-Rik. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait fait le scénario numéro 1, puis tout s'est bien passé, on a réussi à accomplir ce scénario. Donc nous voilà dans ce nouveau scénario qui est récupération de matériel. Maintenant à l'intérieur de la prison, le groupe doit trouver un moyen de vaincre les résidents. Heureusement, il y a beaucoup de matériel et l'armurerie de la prison contient de nombreux équipements anti-émeute. Donc, ça va être quand même un scénario assez gros. On va regarder un petit peu le plateau de jeu juste après. Je voulais juste revenir un petit peu sur cette introduction. C'est vrai, quand ils ont créé ces scénarios de Rick, ça aurait été bien là, par exemple, tu vois, de faire un scénario affrontement. Parce qu'ils parlent de vaincre les résidents et c'est vrai que ça aurait été sympa de faire un scénario PVP, les prisonniers contre le groupe de Rick. J'aurais trouvé ça super intéressant. Donc peut-être, pourquoi pas, essayer de prévoir un jour avec William un scénario bonus où on pourra affronter les prisonniers contre le camp d'Atlanta. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que de toute façon, dans l'anthologie, il y a les règles pour utiliser le plateau de Yerzrick pour se battre avec les règles de l'Aléatoire. Donc, ouais, on pourrait faire ça. Une équipe qui joue l'équipe de Rick et l'autre les prisonniers. Ouais, ça pourrait être vraiment Et... sympa qu'on se fasse un petit scénario bonus comme ça. On fera peut-être à la fin de cette campagne de Rick, pourquoi pas, on fera peut-être un petit scénario bonus où on se fera un affrontement, le camp d'Atlanta contre les prisonniers, histoire de se taper un délire sur les dalles de Hirsnega. Donc du coup, moi je suis super content de pouvoir jouer avec les copains, hein, que ce soit William ou même les copains avec qui vous avez l'habitude de me voir jouer. Moi j'aime beaucoup jouer et c'est vrai que ces derniers temps je passe beaucoup de temps à peindre, à créer des décors, tout ça et tout. Et donc jouer ça me manque beaucoup. Donc là c'est cool, on va pouvoir se faire une partie et on va bien Ouais. s'amuser. Également on avait prévu de faire une nouvelle campagne de Holotwar. Mais bon, pour le moment, j'ai laissé l'annonce. On met ça un peu en stand-by parce qu'on a aussi des projets personnels chacun de nos côtés. Donc le temps qu'on sache ce qu'on va faire, on verra si on entame la campagne ou pas. Mais en attendant, on va continuer à faire du RIC. Voilà pour ça. Alors, je vais mettre la vue de haut. C'est bon, je vois. Voilà. Je vais rétrécir ça ici. Ok. Donc voilà en gros pour le plateau de jeu. Donc nous on va commencer sur cette tuile juste ici. Et Rick en fait dans ce scénario il va avoir un itinéraire qu'il va devoir suivre et il ne pourra pas en fait changer l'itinéraire pour arriver à la fin. Parce que j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai lu le scénario et j'ai vu le plan d'installation. En fait si vous voulez nous on commence ici et il y a une porte juste là. On pourrait très bien là la porte là et la sortie elle est juste ici. Donc on pourrait très bien le faire couper comme ça et jusqu'à là. Et c'est quand j'ai lu les règles du scénario que je me suis aperçu qu'on doit lui faire suivre le chemin obligatoire. Donc condition de victoire, Rick doit se déplacer sur le marqueur de sortie via l'itinéraire sur la carte. Donc en fait l'itinéraire ça va être là, ici, on rentre dans cette salle, on redescend par là. Hop, et ici, en gros, on a la salle qui contient le casier d'armes ou l'armurerie, on pourrait dire, hein, pour ceux qui ont joué l'histoire de Holotwar, hein, il y a un moment donné, on doit aller dans l'armurerie, là, c'est exactement le même principe. En fait, l'armurerie, elle est ici, cette salle-là qui est verrouillée. Ici, la porte est fermée à clé. Donc, cette porte-là est verrouillée, et juste ici, donc, on a les fameux casiers d'armes, juste là. Donc, plus de la moitié des pièces doivent être sécurisées. Donc là on joue à 4 personnages. Je vous rappelle que selon le nombre de personnages, on n'installe pas certaines couleurs de zone. Donc là en tout, on a 8 salles. On a 8 salles, donc plus de la moitié des pièces, donc on doit sécuriser 4 pièces. En sachant que je vous rappelle également que pour ne plus monter la menace chaque tour, on doit sécuriser le nombre de salles par rapport aux survivants. Donc là, on est 4 personnages plus Rick, ça fait 5. On doit sécuriser 5 pièces pour ne plus monter la menace chaque tour.
Au niveau des règles spéciales, donc l'objectif, casier d'armes. Quand la salle contenant le casier d'armes est ouverte, placez un jeton ressource de plus qu'indiqué sur la carte pièce. Le premier survivant qui entre dans la salle gagne bleu de niveau de confiance. À partir du moment où cette pièce est sécurisée, les survivants en jeu peuvent effectuer deux actions de tir par tour. Ok, donc en gros, tu as quand même deux actions, mais tu peux faire deux actions de tir. Le double événement, donc comme la dernière fois, la prison est envahie par les rôdeurs. Chaque fois qu'un événement vagabond ou horde est tiré, on doit le résoudre et tirer une nouvelle carte. Si on tire une nouvelle fois vagabond ou horde, eh bien, on recommence ainsi de suite jusqu'à tirer une carte qui ne sera pas vagabond ou une horde. Déplacement de Rick. Il est possible que Rick rejoigne le sortie marqueur avant que les survivants n'aient sécurisé le nombre requis de pièces et la pièce contenant le casier d'armes. Dans ce cas, quand Rick rejoint le marqueur de sortie, il ne bouge plus. À partir de ce moment, il pourra se déplacer normalement si on fait les actions appeler Rick. Appeler Rick. Les deux conditions de victoire doivent être satisfaites pour que la partie se termine. Ok. Donc, sécuriser le casier d'armes et Rick doit être sur le marqueur de sortie. Donc voilà, ça me paraît bien au niveau des règles. Je dois placer les rôdeurs, donc pour vous montrer qu'il n'y a pas d'entourloupe. Hein. Donc les tokens sont ici. Hop. Tac. On doit en prendre. Je vais en prendre 3 parce qu'il y en a 3 à placer. Je vais prendre les 3 là au bord. Je vais regarder le plan d'installation. Alors, on en a. Ben, hop, on va prendre celui-là. Ouais. Hop, on va prendre celui-là. Il est ici. Et un dernier. Hop. Lui, il est. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, on a trois Ouais, rôdeurs en c'est début de bon. jeu. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, je fais mes piles. Du coup, je te laisse faire les événements et les cartes pièces, si tu veux bien, s'il te plaît. Et en cas, si tu veux, je fais les ressources. D'accord. Ah, on va faire le placement aussi. Donc, on commence sur un espèce de C à l'envers. Donc, ici, comme ça. Hop. On sait. Donc, ben, vas-y, je te laisse choisir ton premier déploiement. Ok, donc moi j'ai Terrace Mission, c'est ça. Donc Ouais. Mission, je vais la mettre en haut à gauche du C. Donc Donc, en haut, à gauche du à C. gauche, c'est le OK. troisième, je crois. Non, c'est le deuxième. Ok, Ouais, deuxième. deuxième. Allez, moi, je me mets Glenn, alors, parce que, attends. C'est moi, Glenn, c'est quoi déjà? Lui, il est agile. Non, lui, il rompt les combats et elle est débrouillarde. Ah oui, et elle ignore les couverts. Donc, ça n'a pas d'importance. Je vais me mettre derrière Michonne. Allez, hop. Allez, Michonne, je te suis. Et avec Terry, je me mets juste en dessous de Glenn. Ok, et donc moi, Andrea, je me mets ici dans le prolongement de Michonne à la pointe de l'espèce de C. Donc, Ok. ça ne change pas des règles de Negan. Rick, il est là à l'extérieur et au premier tour, en fait, lui, il rentrera en jeu, il ne fera rien d'autre. Et après, au deuxième tour, il effectuera ses actions qui sont garder son calme et il se déplacera de deux cases. On commence le disque sur le numéro 1. On va revenir juste avant de commencer sur les personnages. Donc Rick, lui, il a ses 6 points de vie. Voilà, je crois que Rick, il avait peut-être perdu des points de vie la partie précédente, mais on a réussi à le soigner. Andrea, elle a tous ses points de vie également. Glenn, c'est pareil, Que Tyrese, qu'il n'y en a que 5. Ouais, Glenn, il a tous ses points de vie. Par contre, Glenn, Tyrese et Michonne, en fait, par rapport au point de confiance qu'on a fait au dernier scénario, on a gagné des points de réputation. Donc, on commence tous avec 1 en réputation. Donc, Sauf Andrea. Michonne, sauf Andrea. Donc, Michonne, pareil, tous ses points de vie. Tyrese, donc lui, il a 5 points de vie. Également, Glenn, il a réussi à avoir un jeton plus une action. Donc, il pourra être utiliser n'importe quand dans la partie. Donc tout est OK, et eh ben on va commencer. En cas tu on n'a qu'à faire un jet d'initiative si tu veux, comme ça sera soit toi, soit moi qui commence, je te l'ai jeté le dé noir en premier. Ok, je te dis.
Je jette? Ouais, vas-y. Tu prends l'étoile ou passe vierge? Ouais. Bon, l'étoile. Là, ça est tombé sur face vierge, donc c'est toi qui commence. Allez, donc c'est moi qui prend la batte et c'est moi qui commence. Ok. Alors. Alors, comme on joue à pas mal de jeux en même temps, donc encore une fois, on s'excuse hein, si on vient à faire des erreurs dans la partie. Et comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous reprendre si on vient à faire des erreurs. Donc, de toute façon, le but du scénario, comme tu as dit, c'était d'aller ici au niveau du casier d'armes. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut qu'on sécurise quand même des pièces. Ouais, moi je me dis, il faut peut-être essayer de foncer directement pour. Déjà, il Là. faut aller en face, parce que t'es obligé d'aller en face, hein, ça. En haut, c'est le mur. Hein. Ouais, ben, je pense que l'idéal c'est qu'on reste groupé, non? Parce que si on se chope des hordes ou des vagabonds, on va être envahi, quoi. On pourrait se Ouais. séparer à la limite, tu vois, en bas, en haut, mais je pense que c'est quand même risqué, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va vers là-bas et puis on fonce vers le casier. Ouais, déjà il y a ça, et le temps qu'il y ait des gens qui sécurisent le casier, il y en a qui vont à la droite pour Ouais, sécuriser les on deux autres marque, pièces ouais, potentiellement. carrément. Ouais. Au niveau des déplacements, c'est Ou alors à trois gauche pour anticiper. de déplacements, hein, si je dis pas de Trois. trois. Ouais, trois déplacements. Qu'est-ce qu'on fait? Deux, un, trois. Je tente de courir et derrière on garde le calme pour essayer de baisser la menace à chaque fois. Au pire, ça Ouais, va c'est faire le début, en popo. plus t'as agile, tu vois, tu peux tenter avec la. Et non, lui, c'est il son agile en fait, il rompt les combats, c'est pas pied léger. Ah oui, t'as raison. Bah, c'est pas grave, peu importe. Je crois qu'on peut se déplacer en diagonale dans le jeu. Donc, Andrea. Regarde, je vais faire ça. Donc, Andrea, elle va courir. Donc, elle court, c'est Andy. Putain, je sais plus. C'est grave, docteur. Pour courir, c'est un C'est un des des blancs ou bleus. un des bleus? C'est un des bleus de case en plus. Ok. Ça provoque du bruit si une étoile est obtenue. Ensuite, il faut jeter le dé noir. Ah oui, c'est vrai. Donc, je peux courir de 2 en plus. Donc, ça fait 5. Et Tu peux aller jusqu'à 5, vas-y. je fais une face vierge. Donc, ça fera du bruit. Donc, alors, je peux courir jusqu'à 5. Donc, je fais Non, 1. ça fait du bruit que s'il y a une étoile. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis devant la porte. 5, je suis devant la porte, donc ça fait pas de bruit alors? Ok, bon, ben ça va, c'est cool. Est-ce que ça sert à rien que j'ouvre la porte, je pense, pour l'instant. C'est à toi. Hein. Non, je pense que ça sert à rien que j'ouvre la porte. Hein. Ok, donc je vais prendre Michonne, ben, je vais courir aussi, hein, tant qu'à faire. Je vais te le dé bleu, je fais 2, Ok. je vais jeter le dé noir, je fais face vierge, donc ça fait pas de bruit. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, je me mets juste au-dessus d'Andrea. Ok. Hop. Et en termes d'action, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire au début, hein, donc Ben non, en plus là, il n'y a vu rien fait dans qu'on la fait pas de pièce. bruit, là, la menace, elle est sur le numéro 1, de toute façon. Remettre là, voilà, sur le numéro 1 ici. Ok. Je suis en train de me rendre compte que dès qu'on va ouvrir la porte, il y a le pion rôdeur qui est juste en haut et celui qui est juste en bas, il va nous voir direct. Ouais, il y aura une ligne de vue, hein, les deux, ouais. Ouais. Parce que là, les copains, en On fait, pourra on est dans une peut-être. salle, hein, c'est fermé, en fait, il y a des traits noirs, je sais pas si on le voit bien sur la cam, mais en fait, on est dans une pièce, là. Comme il dit William, dès qu'on va sortir, ouais, il y aura les deux zombies, là. Bah, de toute Ok, façon, on va bah refaire vas-y. ça. Hein. Je vais courir aussi encore. Hein. Bon, là, comme tu dis, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, j'ai fait 3. Ah, putain, c'est con ça. Ah, c'est con ça. Donc, j'ai fait 3 et je fais une étoile. Par contre, moi, je ferai du bruit. Parce que moi, j'aurais plus limite. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben non, je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, je suis derrière Andrea. Ici. Donc, ça fait du bruit. Il me semble que c'est d'abord on déplace les rôdeurs. Donc lui vient là. Et lui il monte. Ensuite, c'est plus 1 la menace.
Alors, je vais quand même vérifier qu'on ne fasse pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ouais, menace plus 1, les pions rôdeurs avancent de une case vers le bruit. Révélez les pions rôdeurs qui entrent dans une ligne de vue. Les rôdeurs avancent de deux cases vers le bruit. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de rôdeur. Non. Voilà. Placez un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche du niveau le plus proche de la menace actuelle. Ouais, et là, comme on a tout est calme, il n'y a rien. Ok. Donc, c'est à toi. Donc c'est à moi. Je vais courir aussi. Deux. Et il fait du bruit. Donc ça fait de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais Oui. tenter un truc pour éviter qu'on soit tous agglutinés. Je vais essayer de passer par la porte du bas. Ah ouais, ok. Bah tu Donc ça veux. fait 1, 2, 3. Et ensuite 4, 5 en diagonale. Donc je suis deux cases en dessous de Glenn. Essaye de sauter. Parce que tu sais que dans ce Oh, jeu, ça... tu sais que dans ce jeu, tu as le droit d'escalader. Mais si tu loupes, en fait, ça interrompt pas ton déplacement, en fait. Tu peux la contourner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais une étoile, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, tu te trouves devant la porte. Ok, bah, je vais jeter le dé alors pour... Donc c'est une étoile pour sauter. Ouais, il me semble que c'est ça. Déplacement, quoi, les barricades. Le survivant peut sauter au-dessus d'une barricade plutôt que de la contourner. Donc, pourvu qu'il lui reste assez de déplacement pour rejoindre l'autre côté. Donc, si on compte, On ça, on doit s'en sauter en face, fout. non? Oui, ouais, l'idéal, oui, c'est que tu sautes en... ouais, que tu te déplaces en face, c'est que tu sautes en face, quoi. Tu peux pas la sauter en diagonale, en fait. Et le pion de la, enfin la case de la barricade ne compte pas? Non, tu la comptes pas en plus, ouais. Ok, voilà, je vais jeter. Je fais étoile. Ah ben, tu vois. Donc ça fait 1 en diagonale, 2 en face, Ok. 3 je saute, Ouais. 4 en diagonale et 5 en bas. Et 5 en bas devant la porte. Voilà, ça fait gagner du temps, mine de rien. Et. Donc, tu as fait du bruit. Donc, on passe à 3, qu'on n'oublie pas. Ça 3. On passe à 3. Et donc, celui qui est devant nous, il vient devant la porte. Et par Ouais. contre, l'autre, je pense qu'il redescend. Ouais, il redescend dehors. Donc, il revient. Est-ce qu'il passe en diagonale directement? Avec le coin du mur là. Ben oui, J'aurais vu qu'on tendance peut à se dire déplacer en oui. diagonale. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire qu'il vient là. Et il te reste. Ben, je suis con, moi aussi tout à l'heure, il me restait une action, j'ai oublié de garder mon calme. Parce que je crois qu'on était à 1 pour l'instant. Ah non, après que t'aies couru, Non, t'as et raison. ouais, j'ai couru, j'ai fait du bruit, j'aurais dû garder mon calme, j'ai complètement zappé. Bon, si tu veux, jette le dé, histoire de voir. Non, mais T'as vas-y, jeté le moi. dé? Non, non, vas-y, vas-y, moi j'ai passé mon tour, c'est Ok. pas grave, tant pis. Ouais, alors oui. Donc, ben, je vais garder mon calme. Donc, jette le dé noir. Étoile. Ok, Donc, donc on étoile, baisse de 1. c'est bon. On baisse 2, on passe à 2 et je gagne plus 1. Donc, Tyrese gagne, passe à 2. Ouais, c'est ça. En réputation. Ça, c'est un truc qu'on avait oublié la dernière fois. Donc, Oui, pour ceux mine de qui regardent la rien. vidéo, n'oubliez pas. Mine de Ouais. rien, ça fait des points en plus, quoi. Donc toi, tu as 2. Allez, ça c'est bon pour Et la porte est moi. toujours fermée. Ouais, et les portes sont toujours fermées. Donc ça, c'était phase des survivants. Donc on a fini. Maintenant, c'est phase de... Alors, je dis pas de bêtises, phase des rôdeurs. Donc c'est les rôdeurs se déplacent. Donc lui, de toute façon, il est devant la porte, donc il ne bougera pas. D'abord, non, attends, d'abord c'est piocher une carte événement, Ah comprends-moi. oui, c'est vrai. Piocher une carte événement. Donc, je pioche la carte événement, c'est non, attends, pas par là. Choisissez un survivant, le pion rôdeur le plus proche de lui est retiré du plateau de jeu et placé dans un nouvel endroit. Cet endroit doit être le plus proche possible du survivant, avec un chemin ouvert vers lui. Il doit être hors de ligne de vue de tous les survivants. Placez un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche du survivant, même si ce point d'entrée est de niveau supérieur à celui de la menace actuelle. Alors en gros, il faut que je prenne un pion rôdeur
Oui. Bon, on va prendre celui qui est à... celui qui est... bah, celui qui est devant Andrea. Ouais. Et on le déplace dans un nouvel endroit qui doit être avec un chemin ouvert vers lui, mais doit être hors de ligne de vue de tous les survivants. Donc je peux le mettre vraiment n'importe où. Ouais, ils disent n'importe où, hein. Il y a marqué chemin ouvert vers lui. Pour l'instant, les portes sont fermées. Ça veut dire. Ben, à mon avis, comme s'il apparaissait peut-être derrière nous, non? Ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc Il je doit être l'enlève hors. de devant là. Mais il doit être hors de ligne de vue de tous les survivants. Et ouais, mais bon, là, c'est un peu problématique parce que ouais, si on le met dans notre salle, il va être en ligne de vue. Parce Mais que. même avec les le tas de le tas de caisses là qu'il Ouais, y a. pour moi, non, ça gêne pas la ligne de vue, ça, en fait. Ok. C'est une Donc en fait, tu barricade, peux le quoi. laisser dehors en En fait. fait, bah, pour moi, en fait, ça n'a aucun effet parce que tu veux le mettre, en Ouais, fait. aucun effet dans celui-là, on ne peut pas le mettre. Ensuite, on place un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche des survivants, même si c'est d'un point supérieur. Donc, Ouais. le point d'entrée le plus proche, c'est celui qui est en haut. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, Ah non, t'as raison, c'est 3, celui qui est à 4, gauche. 5, 6, 7, 8. Ouais. C'est celui d'en bas à gauche. Bah, prends un pion rôdeur et mets-le dessus. Ok, allez. Hop. J'en prends un ici et donc on le met là. Ok, donc ça, c'était la carte Even. Donc, t'as bien fait de me reprendre, mais voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. On a vite fait d'oublier des choses. Donc, ensuite, on déplace les pions rôdeurs. Donc, de toute façon, lui, il ne peut pas aller plus loin. Lui, pour moi, ça ne sert à rien que je le déplace là parce que ça ne changera rien. Il sera à une case quand même de Tyrese, mais par contre, lui, il va avancer juste là. On doit déplacer les rôdeurs debout, mais il n'y en a pas. Attaque des rôdeurs, il n'y en a pas non plus. Et maintenant, donc, c'est Harry. Et lui, Rick, comme je vous Attends, ai. attends. Ah, Celui vas-y. qui est, celui qui est à côté de Tyrese, il avance quand même dehors. Ben, en fait, il pourrait se déplacer en diagonale si la porte était ouverte. Tu vois? Ouais, mais tant qu'à faire, Ouais. on le déplace, Tu non? veux le mettre Histoire de devant? mettre plus Allez, haut. si tu veux. Ouais, justement. Allez, ok, ici. Et donc, comme je disais, on a fini donc la phase des rôdeurs. Et donc, Rick, il va rentrer en jeu. Et Rick, il rentre juste là. Ok. Donc, phase finale. Donc c'est menace plus 1, donc on passe à 4. On passe à 3. Non? Alors J'ai ouais, gardé ah mon oui, t'as 40. raison, ouais, j'ai oublié de baisser. T'as raison, t'as raison. On passe à 3. Ici. Ok, Ensuite, il n'y a et pas, c'est y a tout, pas de hein. rôdeur à terre. Non, Et je te passe la ben batte. c'est au suivant. Ok. Voilà, je t'ai passé la batte et c'est donc à toi de commencer. Ok, donc je vais commencer par Tyrese. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'action en fait pour ouvrir les Non, portes. ouais, Hein. en fait, c'est dans le dans, normalement, c'est dans la continuité du mouvement, mais là, tu pourras pas te déplacer. Mais en fait, tu peux ouvrir la porte gratuitement. Bon, j'ouvre la porte, le pion est révélé, donc, enfin le pion se révèle, donc c'est combien de rôdeurs? Tu as un blanc de rôdeur. Un blanc, donc Ouais. je fais le dé blanc. Un rôdeur Ok. qui se met Ici. pile devant. Donc ça c'est pour l'instant j'ai pas encore fait Non, d'action. t'as pas fait d'action pour l'instant. Voilà, je vais garder mon calme. Je vais garder mon calme et ensuite je vais l'attaquer. Ok. D'abord jette le dé noir. Ça c'est loupé. D'accord. Et ben, je vais l'attaquer. Donc Tyrese qui attaque le rôdeur, c'est un des bleus et un des blancs. Un des blancs, et je fais 4. 4, de toute façon, ben, il ne pourra pas faire 4. Ben, il tombe à terre. Et c'est con. C'est con. Ok. Donc je vais jouer. C'est vrai qu'en fait on s'est mal positionné par rapport à la porte finalement. Donc ben, je vais jouer Andrea. Hein. Andrea elle va ouvrir. Ici. Donc du coup, devant nous.
Il y a un bleu. Oh putain. Il y en a un. Ben, on a de la chance. De la chance. Il y en a un ici. Ok. Par contre, si je tire. Alors, moi, je peux faire deux. Alors, attends. Andrea peut effectuer la même action deux fois. Moi, je pourrais tirer deux fois. Ah oui, mais est-ce que je. Oui, remarque, je suis au-dessus de la barricade. Là, je le vois, même s'il est à terre. Parce que je pourrais tirer sur les deux à la limite. Mais moi, je vais faire deux fois du bruit, Ouais, par tu contre. sais. Ouais, mais après ça se tente, hein, on est encore en menace. 1, 2. Ouais, lui ne devrait pas nous voir encore pour l'instant. Disons que ça nous libérait le chemin assez rapidement, quoi. Allez, on tente ça? Par contre, je sais Vas-y. que quand il y a du corps à corps, qu'il y a un rôdeur à terre, on ne fait pas le corps à corps, il meurt directement, mais pour une action de tir, j'ai un doute là. Alors, est-ce que c'est compté comme une action d'attaque? Alors, attends, c'est où? Avec des rôdeurs. Il n'y a pas un truc genre rôdeur à terre ou un machin comme ça? Dans les règles résumées, ça n'y est pas. Sinon, on a le bouquin. C'est page 15, le tir. Après, ce qu'il faut regarder, c'est tiens, oui, ça s'en fout. Si le rôdeur est à terre, Résolvez la suite de l'attaque exactement comme pour l'action combat. parce que je sais qu'il y a un truc en fait, quand il est déjà à terre, tu n'as pas à refaire le combat en fait, il meurt directement. Alors, je sais pas. Bon, écoute, je vais déjà tirer sur celui debout déjà. Alors, j'ai un bleu et un blanc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jet de munitions, je crois, dans le truc. Et je fais, putain, je fais 3, fais chier. Je fais En 3. fait, tu le retires immédiatement de la partie, celui qui est à terre. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. J'ai pas à lui retirer dessus, quoi. Donc, j'ai fait 3, il tombe à terre, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le tuer avec Michonne ou je suis devant Tyrese? Attends, déjà, on va jouer dans l'ordre. J'ai tiré, donc mon arme, elle fait du bruit. Donc c'est plus 1 à la menace, donc on passe à 4. Le jeton, il avance. Ici. Et donc là, on est en faible. Donc on doit faire rentrer un zombie en faible, si je dis pas de bêtises. Hein. Un pion en faible, pardon. Tiens, ouais. Ah putain, on a oublié lui là-bas au fond là, de le faire avancer. Bon, je vais rincer deux. Donc ça fait. Attends. On a fait deux fois du bruit tout à l'heure. Une, deux, Ouais. trois à la phase événement. Et la quatre, j'ai refait du bruit, il est ici. En diagonale, juste. OK. Ah, je pense que c'est lui. Je l'avais complètement zappé celui-là. Ok. Et donc je vais retirer une fois. Hein. Je tue celui d'en bas. Ouais, sinon peut-être garder son calme parce qu'après, regarde, après j'ai joué Michonne, je vais pouvoir le tuer Ouais. d'un coup. Moi, je peux passer. Ouais, remarque, ouais, t'as raison. Ouais, on va faire ça, t'as raison. Ça évite Ou qu'on entre la alors menace. peut-être, enfin, ou alors tuer celui de Tyrese. Ben, au pire des cas, toi, je pense qu'au prochain tour, tu pourras le combattre et le mettre à terre, au pire. Et puis, tu pourras lui sauter par-dessus, parce que dans ce mode de jeu, tu peux leur sauter par-dessus, en fait, les rôdeurs à terre. Non, mais l'idée c'est de le tuer, sinon après il va nous Ouais. agresser, quoi. Bah, tu devrais arriver avec un bleu, un blanc le prochain tour à le tuer. Il va pas se relever, il va pas se relever. Donc je garde mon calme. Ouais, s'il se relève pas, c'est bon. Ah Ok. putain, j'ai loupé. Bah, c'est à toi. C'est à moi, donc avec Mission, ben, je vais attaquer le rôdeur à terre. Bah, il est mort du coup. Donc, il est mort de suite. Ouais, Paf. donc Je ça. gagne plus un. En rep, en Passe à confiance. deux. Donc ça c'est première action et deuxième action, ben, je vais essayer de foncer dans la salle pour la sécuriser peut-être, ce serait bien. Donc je Ben. fais un en diagonale, Ouais. deux en haut, Ouais. trois en haut et je vais tenter de courir, donc je vais jeter le des
Tu veux pas qu'on le joue safe plutôt? Sinon on Ok, t'as va. raison. Je m'arrête à Ouais, 3. nous on va Je être m'arrête à loin. 3. On va être loin après. Je m'arrête à 3. C'est bon, Ok, on c'est peut. bon pour toi. C'est à moi. Donc je vais jouer Glenn. Alors attends, juste je vérifie ce qu'il a. Déjà avec Glenn, je vais garder mon calme de toute façon. Allez Glenn, putain, face vierge encore, pas de chance. Et je vais me faufiler aussi. Hein, donc je fais 1. Alors attends. 1, 2 en diagonale. Et 3 en diagonale à côté de Michonne. Donc je suis à droite de Michonne. Ok. Ici. Alors je réfléchis hein, qu'on n'ait rien oublié. Normalement, c'est bon. Ok. Donc, ben, nouvel événement. Donc carte événement. Hop. Non atteint pas par là, ben la deuxième. Donc il faut prendre un pion à côté d'un survivant le plus proche. Bon, on va prendre Tyrese. Le pion le plus proche, c'est celui qui est à gauche. Ouais. Hop. Et juste, on va le déplacer hors de la ligne de vue, mais le plus proche possible. Hors de la ligne de vue, ça le fait avancer de 2 cases à droite et descendre de 1, en fait. Donc tu veux le déplacer 2 à droite, 1 ici. Ben pour moi, il te voit Ah non, là. là, il est allé. Ouais, donc juste à Ouais. gauche, en fait. Ouais, juste en dessous, là. Ouais, descends-le d'une case. Attends. Ben, tu veux juste le descendre Hop. d'une case ici. Ouais, ben c'est le seul truc, en fait. Là, il n'est pas en ligne de vue. Ah si, il est en ligne de vue avec André en fait. Ouais, et ouais. On peut le mettre n'importe où, est-ce qu'il pourrait ne pas être en ligne de vue? Parce qu'ils disent quoi? C'est par rapport au survivant le plus proche de ce token? Il a marqué, choisissez un survivant, le pion rôdeur le plus proche de lui est Ouais, retiré du plateau de ok. jeu et placé dans un nouvel endroit. Non, regarde. Sinon, on n'a qu'à. Regarde, celui-là, on le laisse là. Là. Enfin, viens, on prend celui qui est en haut, là, à côté de Michonne. Regarde, on prend celui-là. Là. En haut à gauche? Et on Ouais. le fout là-bas, on le fout tout à droite, là-bas. Il aura un chemin ouvert. Hors de ligne de vue, le plus proche possible, on n'a qu'à le foutre là ou dans le couloir. En bas du couloir, en fait. Il va être Ici. derrière Tyree. Non, derrière Glenn. Ouais, là, voilà, juste à Voilà. droite. Ouais. Donc là, il n'y a pas de ligne de vue encore ici. Et ça me paraît pas mal. Voilà. Ici, après, je crois qu'on doit Ensuite, placer un pion, il me semble, non? on doit déplacer les rôdeurs. Non, attends, Il n'y puis en a pas. sur. Non. Il faut puis Ah oui, t'as placer raison. un pion Placer un pion rôdeur. rôdeur sur le point d'entrée le plus proche. Donc, bah, le plus proche, comme c'est Michonne, et bah, c'est l'élevé qui a tout en haut. Donc, c'est celui-là. Ça commence à être inquiétant. Il y en a beaucoup là, quand même. Ouais, bah, après, on va avoir les surprises 4 sous. Si on a de la chance, on a des petits scores, ça va le faire. Là, c'est que ouais, ça arrive. C'est surtout la menace qu'il faut falloir qu'on surveille, qu'on contrôle. Ok. Donc là, on a fait l'événement. Ensuite, c'est au token de se déplacer. Donc lui, dans tous les cas, il va aller vers Tyrese et il va se retourner ici. Donc ça serait un blanc. Ok. Lui, eh ben, il va aller en diagonale devant Glenn. Ça sera un bleu. Lui descend. Déjà, je vais Lui. jeter le blanc. Vas-y, vas-y. Ouais. Ça fait un. Donc Et un donc, il y en a ici. un là. Ok. Et en haut, c'est un bleu, s'il te plaît. À côté de Glenn. Ouais, je jette le bleu. Un aussi. Ok. Ici. Juste coller à Glenn, quoi. Donc ça, c'est bon. Ils se sont déplacés, ils se sont révélés. Attaque des rôdeurs. Donc. Chaque rôdeur attaque un survivant adjacent. Attends. Tu vois, là, ils disent de déplacer les rôdeurs, même les figurines qui viennent d'apparaître. Ça veut dire qu'en fait,
On a fait les pions rôdeurs, mais en fait, malgré que les pions rôdeurs se sont déplacés, ça fait apparaître des rôdeurs qu'on doit déplacer également. Donc lui, il ne peut pas se Ouais. déplacer, il est contre Glenn, mais par contre, lui, il va avancer d'une case ici, à côté de Tyrese. Maintenant, il y a du corps à corps, donc pour Glenn et pour Tyrese. En cas, vu que tu as l'initiative, je te laisse commencer ton combat. Donc avec Tyrese, c'est un blanc et un bleu. Je fais 3. Bah, de toute façon, il ne peut pas faire 3, mais il ne se passe rien vu que tu défends. Et moi, c'est pareil. Donc, Glenn, c'est un blanc et un Ah, bleu. d'accord. Attends, si je défends, c'est avec la défense qu'il faut faire ou c'est avec combat? Ah. Ah, je crois que j'ai tellement Non, je l'habitude de crois. Ouais, l'aléatoire. putain, c'est clair, ouais. Non, mais en plus, c'est particulier dans le jeu parce que je crois que quand ils t'attaquent, eux, tu peux pas les. En fait, c'est considéré comme de la défense. Alors, tu as peut-être raison, ouais. Tu défends peut-être alors. Attends, je vais 2 secondes, je vérifie, c'est l'attaque des rôdeurs, c'est où? Face des rôdeurs, attaque des rôdeurs. Le joueur suivant lance les dés d'attaque du rôdeur. Ok. Survivant lance ses dés de défense. Ça applique les règles spéciales éventuelles accordées par ces cartes d'armes. Ok. Alors, on avait peut-être Donc c'est fait défense, je me suis des trompé. défenses. Alors, on a peut-être fait une Un erreur dé. aussi la dernière fois qu'on a joué. Ouais, donc c'est un dé blanc. Hop. Et je fais 1. Mais tu as le droit à ton arme aussi. Donc. C'est écrit. Ta défense et ton arme. Alors, si le jet d'attaque. Non. Le survivant visé lance ses Attends. dés de défense et applique les règles spéciales éventuelles accordées par ses cartes d'armes ou objets spéciaux. Donc, tu as une arme. Pour moi, tu as une arme. Ouais, ok. Pour Après, moi, ça t'est pas considéré comme une règle spéciale. ben en fait, ils ont déjà des armes d'office, alors est-ce que c'est considéré comme une carte d'arme? Pour moi, c'est une arme avec Ouais, laquelle tu te peut-être. défends. Pas bien marqué. Et applique les règles spéciales éventuelles accordées par ces cartes d'armes ou d'objets spéciaux. C'est comme le casque anti-émeute, tu vois. J'ignore un unique Ouais, tu point crois. Ok, ouais, d'exclamation. d'accord, ok. Ok. Ok, donc t'as fait 1. Ah ouais, putain, mais c'est pas la même chose du coup. Alors je pense que la dernière fois, on a dû se tromper. Ouais, en fait, c'est pas les mêmes règles que Donc l'aléatoire, quoi. il fait 1 aussi. Donc égalité, il se passe rien. Ok. D'accord, ouais. Donc moi, je me défends maintenant, pareil. Donc je fais 0. Putain, merde. Vas-y. J'attaque, je fais 2 et un critique. Ok, donc moi, j'ai le casque anti-émeute, donc je peux ignorer le critique. Mais par contre, je me prends 2 dégâts. Donc je passe à 3 PV avec Glenn. Oh, c'est chaud. Ouais, j'avais oublié ça, mais ouais, je pense que c'est. Je pense qu'on joue bien, je pense. Ok. Les rôdeurs ont attaqué. C'est donc à Rick. Rick, c'est toi qui as l'initiative. Tu lui fasses garder son calme. Donc, des noirs. Rien du tout. Oh putain, on n'a pas de cul. Et il se déplace de 2 cases. Donc on va le faire déplacer en diagonale. 1, 2 ici. Tac. Fin de tour, on monte la menace de plus 1, on passe à 5. Et Et c'est tout, hein, il n'y a pas de morsure. Ah si, il y a un rôdeur à terre devant toi. ah, faut vérifier que s'il se relève, c'est un dé noir. Ouais, c'est ça. Étoilé se relève et passe Hein. et viens gérer sa terre. Dé noir, étoile. Oh putain. Il se relève. Un score! Ah, c'est chaud, franchement. Un score! Ok. Ok. Donc je récupère la batte et nouveau tour. Nouveau tour, nouveau tour. Donc, nouveau tour, et c'est chaud. C'est moi, j'ai déjà morflé. Donc, je vais attaquer avec Glenn. Je vais attaquer le rôdeur qui est devant moi. Vas-y! Allez, je vais prendre un coup de Un coup de matraque. matraque. Je fais 2, putain. Et le rôdeur, en défense, il va jeter un dé rouge. Il fait 0. Il fait 0. Donc, il tombe à terre.
Je vais me servir de mon plus 1 pour le tuer, comme ça on est débarrassé. Hein. Comme Ouais, ça. t'as le droit de faire n'importe quelle action avec, c'est ça? Ouais. Donc je le tue. Donc je gagne 1 de réputation. Et il me reste encore une action. Par contre, Là, il a deux de réputation. qu'est-ce que tu préfères? Tu veux que. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais à droite tenter de sécuriser la petite pièce? Est-ce que je monte au casier? Ouais, tu peux tenter la petite pièce. Avec un peu de chance, Comme ça. si. Ah, Comme ça, on serait au pire, parti. tu me rejoins selon si c'est la merde. Et moi, j'ai plus d'action derrière Quoi qu'en même après. temps, quand on est plusieurs dans la petite pièce, enfin dans une pièce pour sécuriser, c'est mieux, je crois. Ouais, c'est vrai, il va falloir essayer de sécuriser en plus. De toute façon, on a 5 hein, au compteur. Ouais. Il vaut mieux rester ensemble pour sécuriser, on y Ok. arrivera plus Donc, je facilement. t'ouvre la porte. J'ouvre, on verra bien ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Donc, je vais faire probablement un mouvement 3, mais je vais déjà faire move 1 à l'intérieur pour voir ce qu'il y a et puis après, on verra. Ici. C'est toi qui fais les cartes pièces, si je dis pas de bêtises. S'il te plaît. Déjà, il faut que tu essaies de la défoncer, en fait, le porte. Je vais là, la petite pièce à droite. Ah, la petite pièce à Eh oui, je droite. peux pas y aller là, j'ai plus d'action pour la défoncer la porte. D'accord. Donc, carte pièce. Pièce. Mort à l'intérieur. Un pion ressource. Et on est en faible. Un des blancs de rôdeur. Un des blancs de rôdeur. Un rôdeur. Donc, il y a un rôdeur et un pion ressource. Ok, donc un rôdeur. Donc le rôdeur, je crois que c'est sur le pion sécurisation. Et une ressource, hein, c'est bien ça? Donc tout en haut, à droite, dans le coin. Ici. Et ben écoute, je vais me mettre dans le coin. Un, deux, ouais, je vais me mettre ici dans le coin. Regarde à gauche, dans le coin. Et je te laisse. Ou alors, attends. 1, 2, 3. Ouais, remarque, je peux venir là. Je vais venir là à côté du rôdeur. Comme ça, je serai à côté du pion en ressource tout à l'heure. Voilà. Attends, ça, on va les enlever. Okay. Tu peux Hop. pas la, tu peux pas l'attaquer. Non, ben moi, j'ai plus d'action. J'ai plus d'action et c'est à Ok. toi. C'est à moi, donc avec Mission, je fais 1, 2 en diagonale et 3 en diagonale. Ouais, ok. Et je vais l'attaquer. Zigouille-le, zigouille-le. Donc un bleu et un blanc. Et je fais 3. Putain, on n'arrive pas à faire de critique, hein. Donc il tombe. Tombe à terre. Et moi, c'est fini. Okay. Donc je vais garder mon calme, je pense. Je pense qu'il vaut mieux que je garde mon calme. Allez, Andrea, putain, pas de chance, je fais une face vierge encore. Merde. Qu'est-ce que. Ce que tu peux tenter, c'est soit courir pour... Ou alors, regarde, moi je passe par là. Et on se rejoint tous les deux après ici à la pièce qu'elle a en bas. Hein. Ici, là, celle-là, on Ouais, si tente de tu veux. sécuriser celle-là, là, tu sais, près de la zone de sortie. Ouais. Et en cas, toi, tu essaies d'occuper des rôdeurs qu'elle a. Hein. Alors, attends, donc je vais me déplacer de 3. Donc je fais 1, 2, 3. Ici, je vais me garder une case de distance. Comme ça, moi, je suis tranquille. C'est à toi. Ok, c'est à moi avec Tyrese. Ben, je vais attaquer le rôdeur en face. Un bleu, un blanc. 3. Par terre. Celui qui est devant toi. Ouais, celui qui est devant moi. Ok. Et ce que je vais faire d'autre? Je pense que je vais garder mon calme. Ok. Je peux pas attaquer deux fois. Je garde mon calme, je jette le dé noir, je fais étoile. C'est bon, on passe à 4. Donc on redescend à 4 et toi en plus tu prends une rep, hein? Une confiance plutôt. Ouais, j'ai oublié. Donc je passe à 3. 4 de niveau et 3 de réputation pour Thaïs. Ouais, c'est bon.
Ok, donc phase d'événement. Phase d'événement. Pas d'événement. Donc, c'est l'espèce d'insulte là. Ouais, Plus ok. un dé rouge en menace. Vas-y, je le Donc, fais. Hop. un. Oh, Ah, tu as jeté? Hein? Ok. ouais, je me souviens. Passe à 5. Et placer un rôdeur dans les trois cases en ligne de vue de Negan, donc de Rick. Placer un rôdeur dans les trois cases en ligne de vue de Rick, donc Ok, les trois ben on cases. passe. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai juste devant la porte de la prison, en fait. À Ici. deux cases de la prison. Enfin, de la porte. Ouais. Trois cases, c'est une, deux, trois. Donc c'est. Ah, Ok. juste à droite, là, voilà. Ouais. Ok. Ok, merde alors. Merde alors. Merde alors. Donc du coup, c'est les tokens qui se déplacent en premier. Donc lui, il descend avec la vue de haut. Lui qui est là, il va en diagonale, donc il se retrouve là. Ensuite, finalement, j'aurais dû Lequel va en descendre. diagonale, t'as dit? Lui là, hop, celui qui est en 11. Lui, il était là, là, devant. Et il est passé en diagonale comme ça. D'accord. C'est soit on l'envoie sur Rick, le rôdeur, soit on l'envoie sur toi. Hein? Ou Bah, sur sur moi. moi, il vaut mieux. Hein. Ou sur moi. Parce que toi, tu vas t'en taper deux là. Plutôt sur toi, comme ça l'éloigne. Parce que vu que c'est égale distance, on peut choisir de façon 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ouais, donc allez derrière moi. Ici. Et donc ça, c'est bon. Donc attaque. Hein? Ah, et le pion qui est sur la case de. Là, je l'ai déplacé celui-là hein, déjà. N'y a pas de pion sur la case de spawn Non. en bas, non? Non, c'est bon. Ok. Ça a été révélé. Ça a été. Juste attends, je cherche quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. Hop. Donc, allez, je commence. Donc, ben, moi, j'ai un rouge en défense. Je fais 1. Et le rôdeur, il fait un aussi. Ok, donc il ne se passe rien, c'est à toi. Moi j'ai quand même un doute cette histoire de défense là, parce que ça me paraît chaud quand même. Ben, c'est relis bien, c'est page Ouais. 16, je crois, ou 17. Et j'étonne des blancs. Je fais un. Ok, je jette le rouge. Il fait 1 aussi. Comment ça passe? Ok, pour l'instant c'est bon. Ouais, c'est qu'il faut vite en fait, il faut vite les esquiver ou demander à Rick qui nous les tue en fait, pas qu'on perde de temps. Mais nous, pour ça, il nous faut des points, quoi. Il nous faut des points de rêve. T'as combien en réputation à 3, toi? Ici. Ouais, moi j'ai Ok. été risque, il y en a pas mal. Donc du coup, ça c'est bon. Ensuite, c'est à Rick. Donc Rick, il garde son calme. Rick tente de garder son calme. Allez, Rick, c'est bon, il fait l'étoile. Donc on passe à 4. On passe à 4 et il avance de 2 cases. 1, 2 cases. Ici. Ça, c'est bon. Et donc, ben, fin de tour. Ben, on voit que ça ne sert à rien de toute façon qu'on baisse de 1 parce que ça va remonter. Donc, on repasse à 5. On repasse à 5 et puis ben, nouveau tour, hein. Tu récupères la batte. Ok. Donc, on va commencer par Thaïs. Non, d'abord par Michonne. Comme ça, Michonne va défoncer celui qui est par terre. Bah, j'attaque celui qui est par terre, donc il meurt direct. Ouais, il meurt direct, donc tu te reprends une confiance. Je passe à 3 avec Michonne. Et ça, c'est ma première action. Deuxième action, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste garder mon calme en fait pour Ben, qu'il soit sécurise, pas. sécurise. Ah oui, t'as raison. Ben oui. Donc pour sécuriser, comment on fait déjà? Hop. Ben, c'est un des blancs pour toi. Vu que je suis avec toi, il y a deux des blancs. Et tu dois faire deux. Je jette deux dés blancs. Deux des blancs, c'est ça. Tu dois faire deux.
Je fais deux, c'est bon. Et tu fais 2. Donc du coup, tu prends 2 de réputation, tu passes à 5. Cool. Tu passes à Ça 5. l'est sécurisé. Ça le sécurise et on baisse la menace de 1. On passe à 4. Et donc ça le sécurise. Top. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Donc je vais fouiller avec Glenn. Donc je récupère la ressource ici. Et je gagne. Ah putain, un trousseau de clés. On va pouvoir ouvrir la porte sans faire de bruit. J'ai trouvé les clés, Michel. C'est pas plus mal, hein? Ouais. C'est pas plus mal. Ici. Et j'ai bien envie de me soigner, moi, par contre. Hein. Je vais t'attendre et du coup, je vais tenter de me guérir. Vu que je suis dans une salle sécurisée, j'en profite. Je vais me mettre un pansement. Allez, allez. Donc, je fais 1. Donc, je me soigne et je repasse à 4. 4 PV. 4 PV et c'est à toi. C'est que pour se soigner, on va récupérer l'endurance, un des rouges. Donc c'est à moi avec Tyrese. Ben, je vais attaquer celui qui est à terre déjà. Tu veux pas attaquer celui debout plutôt? Moi je viens, je le tue celui à terrain au pire. Vu que toi t'es costaud en attaque, moi je suis pas très fort encore. J'ai un dé Ouais, rouge. t'as Et raison. ouais. Après, il faut pas se louper, quoi. C'est Mais au pire, tu le une, mettras à terre, deux, trois. il pourra pas bouger ce tour-ci. Ouais, mais au pire, tu pourras passer en diagonale, tu pourras te mettre à côté, c'est vrai. Ouais. Bon, j'attaque celui qui est. Donc, un des bleus et un des blancs. Hop. Et je fais 3. Elle fait sûrement un Qui tombe à terre. critique. C'est rare le Ça va critique. pas. 3. Et ça, c'est ma première action. Et la Ouais. deuxième, ben, j'ai deux rôdeurs devant moi, je peux rien faire. Bah, tu peux sauter, hein, tu peux les traverser, hein, les rôdeurs à terre. Ah ouais, mais je pense qu'il vaut mieux garder son calme. Ouais, t'as raison, ouais. Je vais garder Ouais. mon calme Et puis et je réussis. On passe si à on peut 3. s'éloigner de lui en plus. On passe Ok, à 3. on passe à 3. Et n'oublie pas que tu prends un point. Ouais, donc je passe à 4 en réputation. En fait, c'est bien que tu aies trouvé des trousseaux de clés, quoi. Ben ouais, comme ça on va pouvoir ouvrir la porte sans. Alors je dis pas de bêtises. Hein. Défausser cette carte pour considérer une porte verrouillée comme une porte normale. Ouais, c'est ça. C'est top. Ok, donc du coup, toi t'as fini. Alors. Que je dise pas de bêtises, ça c'est bon. Donc c'est à moi. Ben moi je vais venir tuer un rôdeur à terre. Pour ça je vais faire 1, 2, 3. Ben je vais faire ça. 1, 2, 3. Et je te tue ben, celui qui a devant la porte, là, ici. Ok, bah, tu Ici. gagnes en réputation. Donc je gagne 1 de réputation. Je passe à 1. Je passe à 1. Et ben j'ai fini de jouer. Si je dis pas de bêtises, je me suis déplacé. J'ai tué le rôdeur. Donc, phase des rôdeurs. Ça, Ouais, donc, Evan. événement. Du bruit dans le noir. Choisissez un survivant. Il doit choisir entre soit perdre un des blancs de points de réputation, ou alors placer un rôdeur dans les trois cases avec une route ouverte vers lui. Moi, je serais d'avis de perdre de la réputation parce que si on se remet des rôdeurs encore, là, combien d'arrive à faire un peu le ménage, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison. Bah, je te dis Glenn. Ok, Glenn, allez. Donc, Glenn, allez, on va regarder combien il perd. Un des blancs. Ouais. Allez, donc il perd, Glenn. Il perd 1. Donc, je Donc tu passe passes à à 1. Je passe à 1 et puis 2 petites secondes. Il est où mon Glen? Ici, tac. Je passe à 1. Et donc, bah, c'est au rôdeur. Donc, pur rôdeur. Lui, il avance en ligne droite vers le bas. Lui, il avance
vers la droite. Lui. Ah putain, merde. Ah, je suis parti trop loin. Ah, je suis parti trop loin. Merde. Bah, il va sur Rick par rapport à la distance. Donc, il fait 1, 2, 6. Il attaque Rick. Il attaque Rick. Du coup, il n'y a pas de G2D, je crois. Rick, il perd directement un point de vie, il me semble. Alors, attends. C'est où ça déjà? Alors, si le rôdeur attaque Rick, moins 1 endurance par rôdeur adjacent. Si Rick reçoit des dégâts, blanc, point de réputation pour tous les survivants. Ok, bah c'est le cas. C'est bizarre ça, parce que sur la carte de référence rôdeur, c'est écrit si le rôdeur attaque Negan, moins 1 point d'endurance. Donc là, c'est le cas, il attaque Rick, donc c'est moins 1 point d'endurance. Et plus bas, c'est écrit si Negan reçoit des dégâts, blanc de réputation pour le survivant. Ben forcément, il reçoit des dégâts vu qu'il perd un point d'endurance, c'est bizarre. Ouais, c'est peut-être la manière dont Ouais. c'est écrit, quoi. Bon, j'ai perdu mon token. Donc Rick qui passe à 5 points de vie. Ah non, non, non. Non, mais c'est. Je crois comprendre. En fait, donc s'il y a une attaque, il gagne deux, il fait perdre l'endurance. Mais non, parce qu'en fait, l'endurance, Ouais, c'est les points de vie. ouais, c'est pas une vie, ouais, t'as raison. Bon, j'ai Ok, perdu ben son donc. token. Donc on perd tous un blanc. Tous. Ben ouais, c'est écrit. Ok, donc un point de défense, enfin de réputation. Ouais, un blanc de. Ouais. Tous les survivants. Ouais. Allez, donc Andrea. Ben Andrea, elle en perd deux, mais elle en a qu'un, donc elle va tomber à zéro. Et Glenn, ben, il en perd deux, et il en a un, donc il tombe à zéro. Oh putain. Et tu ouais, jette aussi pour Michonne Tyrese, n'a qu'à faire. Ben, fais-le en cas comme ça, je fais le. Donc, Michonne, elle en perd 2, elle tombe à 2. Et Tyrese, il perd rien du tout, il reste à 4. Bien, Tyrese. Donc Michonne, elle passe à 2. Ouais. Ok. Voilà. Allez, comme ça j'ai fait toute l'interaction, nickel. Et donc c'est à Rick maintenant. Donc Rick, ben, il n'est pas content. Ah ben non. Hein. Les gars, vous faites chier, je vous avais dit de tuer les rôdeurs. Alors, donc rage de Rick, le survivant qui possède le plus haut niveau de confiance perd bleu. Donc c'est Tyrese. Tu perds bleu de confiance. Donc il perd 3. Bon, Oh, d'accord. Je passe à 1. prends cher là. Ouais. On était Après, ce qui bien. est dingue, c'est que tu perds deux fois de la réputation d'affilée, en fait. Ouais. C'est ça qui me paraît bizarre, tu vois. Ben en fait, c'est par rapport à ce qui se fait attaquer, c'est surtout ça, quoi. Si ça aurait pas fait attaquer, ça aurait été différent. Là, pas de chance, c'est fait Ouais, attaquer. c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est là, puis là, ça on morfle. Les survivants dans les trois cases perdent un endurance. Donc, trois cases, ben, c'est toi. Donc, ben, Tyrese, décidément, il prend un cher. Ah, il se prend une baffe par le chef. Donc, je passe à 4. Ici. Si aucun survivant n'a apporté, ce n'est pas le cas. Si survivant est adjacent, donc tu jettes un bleu. Tu jettes un bleu rôdeur, mais de toute façon, un bleu rôdeur, je crois que tu peux faire Voilà. minimum 1. Il est mort Donc lui, direct, il est donc. mort direct. Ici. On va le mettre. Est-ce qu'on le considère comme notre. Ok, on va le mettre avec nous aussi, comme nos rôdeurs tués. Ok. Eh ben c'est tout. Hein. Un nouveau Ensuite, tour. nouveau tour plus 1. On passe à 5. Attends, il n'y a pas une histoire avec les rôdeurs à terre. Ah si, oui. Il y a les rôdeurs à terre à faire. C'est au phase finale. Donc un dé noir. Donc jette un dé noir pour le rôdeur qui est à côté de Tyrese.
C'est raté, donc il reste à terre. C'est bon. Ah, super. Bon. Donc, finalement, on a perdu un peu des points, des machins, mais bon, il y a quand même moins de rôdeurs. Donc, je récupère la batte, ici. À toi. Je récupère la batte. Alors, 1, 2, 3. Alors, c'est peut-être un bon coup si tu veux. Je tue le rôdeur là avec Andrea. Ouais. Et après, je vais dans la pièce. Comme ça, je t'ouvre la voie. Et toi, théoriquement, tu pourrais rentrer et peut-être fighter s'il y a du corps à corps à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Ouais, vas-y, vas-y. Après, je Allez, fonce dans la donc, pièce du bas. Andrea, elle tue celui-ci. Donc, je gagne un point de réputation. Je gagne un point de réputation, ben c'est tout. Et donc, je vais Voilà. aller en bas. Alors, attends. Je passe à 1. Ok, et donc, je vais me déplacer. Alors, attends. Là, tu vas faire 1, 2, 3. Donc, moi, je vais faire 1, 2 et 3 ici, à côté du. On va baisser encore un peu. Donc, tu es rentré dans une pièce. C'est ça, ouais, faut que tu fasses la carte pièce, s'il te Tire la plaît. carte pièce. Rôdeur agité, un pion de ressources et un dé bleu de rôdeur. Donc je vais jeter le dé bleu. Un rôdeur. Donc il y a un rôdeur qui va sur le pion de ressources, enfin sur Ok. le pion de sécurisation au Ouais. milieu, Et et le pion un ressources, pion de on ressources. n'a qu'à le mettre dans le coin opposé, non? Ou au En bas à milieu? droite, ouais. Ouais, Enfin, ouais. bon, au milieu, si tu veux. Ah, c'est bon, on le met le plus éloigné. Ici, ça. Bon, j'aurais pas dû me déplacer avant de rentrer, tant pis. Ici, ok. Bah, si faut, tu dis que tu te déplaces et tu te mets à droite, c'est pareil. Théoriquement, on relève la carte lorsque tu rentres dans Ouais, la pièce, remarque, ouais. donc. Donc, bah, écoute, on le met là au milieu, ce sera plus cohérent, à la limite. Ok. Ok, donc c'est à toi de jouer. C'est pas à moi, donc je vais prendre Tyrese. En diagonale, en diagonale, en diagonale. Ouais, donc tu te retrouves devant le rôdeur. 1, 2. Et ici. Un bon coup de marteau au rôdeur, un dé Allez, bleu, un dé défonce-moi-le, s'il te blanc. plaît. Ah, trois, purée, c'est pas Putain, on possible. n'arrive pas à les tuer, hein, ils tombent à terre. Ouais. Ok. Donc ça, c'est bon. Allez, on va aller voir Michonne et Glenn là-haut. Donc ça fait une pièce, deux pièces, trois pièces. Qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers le casier maintenant. Putain, on est passé à 4 de menaces. On est à 5. Moi j'ai 5, 5. ouais. Enfin, je vais vérifier aussi sur le truc. Il me semble qu'on est à 5. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a Rick plus la fin de tour. Hein. Ouais, c'est ça, 5. Parce qu'à la limite, je peux garder mon calme et faire 1, 2, 3, sortir, hein, tant pis. Par contre, le rôdeur, il va nous voir après. Ou alors, Bah, c'est pas grave. on reste ici, encore un tour. Je me On soigne. garde notre calme. Mais toi, le problème, c'est que tu perds une action, par contre. Tu pourras rien faire. Bon, sinon je l'attaque directement le rôdeur. Moi je sors et je le défonce avec Michel. On fait ça? Allez, bon, je garde mon calme et je sors. Ou alors je. Ah non, si je cours, ça va faire du bruit. Là, l'idéal, c'est qu'on arrive à baisser cette menace. Donc, déjà, je vais garder mon calme. Franchement, on est tous les deux. On est tous les deux. Attends, on est tous les deux. Potentiellement, si tu sors, il va apparaître. S'il y a un rôdeur, tu l'attaques. Il tombe à terre. Moi, je me mets à côté et je le tue direct. Mais on gardera pas notre calme dans l'histoire. Ouais, mais au moins, on n'aura plus de rôdeur. Tu vois, donc... Ouais, si écoute, si on a de la Bon. chance, si c'est un dé rouge ou si c'est rien du tout, si tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Ben, tu peux te déplacer et après, tu vois ce que tu fais à la rigueur. Donc je fais 1, 2, 3 et je me mets devant la porte. Et il me voit devant la porte. Comme ça, il te voit, Et il on se voit ce qu'il y révèle, a. Mais on n'a qu'à faire ça. et Allez. on saura ce que c'est, puis on fait Attends, après. attends. On va faire ça. D'abord, Bon. tu veux que je me dé. C'est qu'on a une menace, mais on ne sait pas ce que c'est que la menace, On donc. entend des bruits là. 1, 2, Vas-y, 3. Glenn, va voir. Et il n'y a rien du tout. Ah, purée, c'était des rats. C'est ça, c'était des rares fausses alertes. Ok. Ben, je garde mon Nickel. calme. Là, comme ça, tu gardes ton calme, comme ça, c'est bien.
Allez, allez, Glenn, allez, putain, il roule mal ce dé, merde. Je crois que c'était une boîte magique où t'avais que des bons trucs. Ouais, normalement, ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, je crois. Alors, je la repasse, merde. Donc, c'est à toi. moi. On fait quoi? On va à la salle de droite, on va directement à la salle de l'armurerie. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille à l'armurerie. Hein. Ok, bon, je vais faire ça D'ailleurs, là. il a perdu un peu des points de Diagonale. vie. Glenn, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on bouge vers là-bas. Allez, trois diagonales, donc je suis 1, 2, 3. ouais, Ouais. juste en dessous de la porte. Et je garde mon calme. Ok. Réussi. Super. Donc, Donc on on passe tombe. à 4. 4. 4. N'oublie pas, tu gagnes 1 de confiance. Je passe à 3. Et c'est ta... Bon, on a fini Ben, en fait. fini le tour. Hein. Ça a été au rodeur, les Donc, veines. carte événement. Événement. Plus un menace. Donc, on passe C'est quoi le nom à... de l'événement? Déferlement. Déferlement. C'est plus un menace. Donc, on passe à 5, c'est ça? Ouais, putain, la bête, elle monte, elle chie, cette menace. Choisissez un survivant. La pièce la plus proche de lui, non ouverte, non verrouillée et non sécurisée. S'ouvre Immédiatement. immédiatement. Ouvrez toutes les portes de cette pièce et piochez une carte pièce pour elle et toutes les autres pièces ouvertes par cette carte. Alors, Marx, Les portes de cette pièce. C'est au cas où il y en ait plusieurs qui soient reliées, quoi. Donc, Ben, c'est sous ouverte, non verrouillée et non sécurisée. Celle de droite? celle qui a là, à droite, là-bas tout au fond, mais est-ce qu'on va y retourner? Est-ce que ça vaut pas le coup d'ouvrir une salle justement tu vois, au moins elle sera déjà ouverte, quoi. Ouais, mais imagine, Ah, tu ouvres mais. celle de gauche, là. Ouais. Ça va s'enchaîner parce qu'ils disent qu'après, il faut ouvrir toutes les portes aussi. Ouais, ça Donc, va c'est-à-dire qu'il y a exactement voir les deux trucs qui vont celle-là. s'ouvrir. Ouais. Ah, je vais mettre une haut Après, c'est d'ailleurs. pas plus mal parce que les jetons, une fois qu'ils sont révélés, au moins, ils sont déjà là, quoi. Après, il faut compter parce qu'il disait la plus proche quand même. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 8 devant la porte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Et même si on prendrait Tyrese. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 1, 2, 3, 4. Il y a en fait, il y a ex aequo avec à droite ou les grandes là, les deux là. C'est soit on prend le risque d'ouvrir les deux là, en sachant qu'après ça sera ouvert, ça veut dire qu'ils vont se déplacer Alors, vers nous, probablement. ouais. Ça peut valoir le Alors, coup, Rick, il hein. va vers où, lui? Il va vers le haut, lui. Et lui va monter, Ouais, parce que regarde, Rick, il va aller vers le haut. il va faire tout le tour, Rick. Mais si on arrive à les attirer vers le bas. Ouais, par en bas, sachant que nous, avec on est tous les deux ici. Nous, on peut remonter par là, tu vois. Bon, allez, on tente d'ouvrir les deux portes là. Enfin, c'est les deux pièces quoi, Ok. qui se révèlent, quoi. Donc c'est celle-là en premier. Donc c'est la porte, elle s'ouvre Ouais, ici. c'est là. Donc on va faire celle-là en Premier. premier. Ok. Il faut que tu me dises la carte pièce. Obscurité totale. Oh Deux pions non. ressources. Ok. Donc, petit ressources, on les met au plus loin de la porte, donc dans le coin, dans chaque coin. Donc, coin ici, en bas à gauche et en haut à gauche de la porte. Ouais. Alors, comme ça Ok. fait au coin les plus loin de la porte qui s'ouvre. Un des bleus de rôdeur. Il y en a deux rôdeurs. Ok, deux rôdeurs. Ok. Un sur chaque ressource, on met. Non, ils apparaissent autour du puits en sécurisation. Donc un sur le puits en sécurisation et l'autre on n'a qu'à le mettre derrière lui. Ok. Ici. Aucune figurine présente dans cette pièce ne peut être la cible d'un tir. Les pions rôdeurs de la pièce ne sont pas révélés tant qu'ils ne sont pas adjacents à un survivant. Tant que cette pièce n'est pas sécurisée, placée au début de chaque phase de rôdeur, un pion rôdeur. Oh putain! Oh N'importe non. où dans la pièce, si possible, non adjacent à survivant. Mais c'est horrible ce truc. Je crois qu'on n'a pas une bonne En idée, la fait, merde. Ah ouais, mais tous les tours, il va y avoir un pion rôdeur qui va apparaître. C'est ça. On a envie de courir là-bas pour aller la sécuriser. Oh, on s'est mis dans Oh, la merde c'est là. horrible.
C'est un générateur de pions rôdeurs, ce truc. C'est ça. Oh putain. Donc du coup, on doit ouvrir donc les autres portes. Donc celle-là, elle s'ouvre, ici. Donc ben, Ouais. nouvelle carte pièce. Ah, on a fait des corps. Nouvelle carte pièce. Donc, rôdeur agité, une ressource et un déblai rôdeur. Il y a deux rôdeurs. Et une ressource. Donc, une ressource. Ok, donc une ressource, on n'a qu'à la mettre ben, tout en haut à droite dans le coin. Voilà, en haut à droite. Et tu m'as Et dit on a deux nouveaux deux rôdeurs. rôdeurs. Ouais, deux Un nouveaux rôdeurs. sur le pion sécurisation et l'autre on L'autre le à droite, met à quoi. droite. Ouais. Donc après ils disent toutes les portes, même celles qui donnent sur l'extérieur, on doit l'ouvrir. Ouais, celle qui est en haut Donc aussi, elle est ben, ouverte. celle-là, elle s'ouvre ici. Et voilà. Donc ça, c'était la carte Eben. Attends, et dans les rôdeurs de cette pièce, ajoute un dé rouge à leur jet d'attaque. Ah, mais d'ailleurs, on n'avait pas un truc comme ça, rôdeur agité, là, par là? C'est où qu'on a pioché cette carte déjà? Si, tout à l'heure, on l'a eu, ouais. On a zappé alors. Ouais, mais c'est que dans la pièce, de toute façon, donc. Mais faut y penser. Je mets la carte là à côté de la pièce. Ici. En fait, on a ouvert deux zones là, c'est horrible. C'était à deux zones de merde. Ben, t'es au pion. Donc lui, ben, il avance. Ici. Eh ben, eux, ils vont avancer vers Taïri, je pense, hein, de toute façon, par rapport à la distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va l'envoyer vers Taïri, donc il fait 1, 2. Lui, il suit 1, 2. Eux, je pense qu'ils vont monter vers Michonne, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on 1, voit Michel Mao. 2 devant la porte, et l'autre, il est pareil, là, devant la porte, ici. De part et d'autre de la porte. C'est à Rick qui garde son calme. Ouf. Allez, Rick, s'il te plaît. Rick, il nous aide pas non plus, hein, franchement. Je suis nul hein, ce soir. Et il avance de 2. 1, 2. Et donc, plus 1, on passe à 6. On passe à 6. Et on doit regarder le rôdeur à terre qui est devant nous. Ouais, jette le dé noir. Il se relève pas. Ok, donc ça c'est une bonne chose déjà. Il se relève pas, il n'y en a pas d'autres, on n'est pas mordu et donc tu récupères la batte, mon ami. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Bon, je vais commencer avec Tyrese, hein. J'attaque, il meurt. Ok, donc boum, tu l'éclates. Je gagne plus un, je passe à deux en réputation. Ok. Et je vais tenter de sécuriser la pièce. Donc deux dés blancs. Ouais, vas-y. Deux dés blancs. Faut que tu fasses Passe deux. deux. Et je fais trois. C'est bon. Donc tu passes à 4. Je passe à Tu quatre passes à en 4. Ouais. réputation. Et d'ailleurs, on a oublié tout à l'heure. Bon, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais celui qui est avec toi dans la salle, il gagne un point aussi. Tout à l'heure, on a oublié. Ah oui. Mais bon, ça n'a pas changé Ouais. grand-chose parce qu'on avait j'avais perdu en Andrea deux, je passe à crois. deux. Ouais. Ouais, Andrea passe à deux. Donc Andrea, elle passe à 2. Ici. Et c'est fini pour moi. À toi. Et aussi, on baisse la menace de 20, qu'on n'oublie pas. Ah oui, ça c'est important. Ouais. Passe à cinq. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier toutes ces petites subtilités aussi dans ce jeu où on a pas mal monté la confiance, baissé la menace. C'est surtout la menace, quoi. Au pire, on oublie un point de confiance, bon, tant pis, mais la menace, c'est super important. Parce que là, c'est chaud. Donc, on passe à 5 et c'est tout bon pour toi. Et ici, on a sécurisé. Hop là. Donc moi je suis à côté d'un pion ressource. Donc moi je suis un crevard dans cette partie. Donc je vais fouiller. Et je vais gagner ici à ben, une clé à molette. Okay. Donc je mets l'équipe. Et je vais ben, me dé... Alors attends, parce qu'eux ils vont se déplacer de 1, 2. Ça ne faut pas que j'aille trop loin non Bon. plus. C'est bien, t'avais pas d'armes de corps à corps en plus. Ouais. Mais est-ce que ça vaut pas le coup que je te la file? Parce que toi, quand t'as double arme, en fait, corps à corps, tu peux faire deux attaques, en fait, sur la Ah même bon? cible. Ouais.
En fait, tu frappes d'abord avec une arme et en fait, tu peux frapper avec l'autre arme sur la même cible. Donc, ça veut dire que si tu le mets à terre, tu as le droit de le tuer, quoi. C'est quand même pas mal. Tu vois ça où, toi? Faut que tu regardes dans les combats à deux mains. Le combat, c'est page 15. Le combat à deux armes. De combat dans chaque main, peut choisir l'arme avec laquelle elle porte sa première attaque. Une attaque avec sa autre arme contre la même cible ou une cible action. Ah, cool! Ouais, vu que toi, tu es costaud, corps à corps, c'est peut-être intéressant de te la donner. Comment ça marche quand donner des cartes? C'est gratuit ou. Bah ouais, passe-moi Attends, je vérifie si c'est gratuit ou pas. n'y a pas une action par hasard. Je me rappelle plus. Changer d'objet. Peut-être ça. Ouais, je pense que ça doit être là-dedans. Ouais, c'est ça. Jusqu'à trois cases dans ta ligne de vue, tu peux échanger Donc c'est d'objet. gratuit. C'est compté comme une action ou pas? Il y a marqué, peut dépenser une action pour s'équiper d'une carte arme à sa possession et ou échanger un nombre quelconque de cartes avec un seul survivant qui se trouve dans les trois cases. Bah, je bouge pas avec le fil d'arme. Ouais, tant qu'à faire, comme ça Au après prochain je tour. foncerai avec deux Allez, on armes. fait ça. Et après Ah ouais, Tyrese, mais. il va rentrer dans la salle, il va Du coup, les attaquer, tu quoi. perds ton casque anti-émeute, par contre. Non, c'est sur la tête, c'est un casque, non? Je crois pas, en fait, t'es obligé de, comment dire, si t'équipes, t'es obligé de défausser un truc, en fait, il me semble. Non, bah, c'est pas grave. En fait, c'est coincé. Ok, mais je prends la clé à molette. Hop. Ok, donc du coup, ben, nos deux survivants ont joué, donc on va aller vers en haut, voir ce qui se passe. Ah putain, ça fait chier, ça, à toi de jouer. C'est moi qui ai les clés. Raté. C'est pas grave, ce que je peux faire, c'est... J'allais faire un truc dangereux. Attends, la distance par rapport au pion qui est en haut à gauche. Il va se Ouais, déplacer de 1 et s'il y a un rôdeur, il se déplace de 2. ça va être devant, il sera devant toi hein, si tu vas jusqu'en haut. Ouais, si je fais ça, je vais me faire attaquer Ouais, tu vas après. te faire attaquer. Ouais, parce que tu vas le Hein. révéler. Attends. Quoi qu'attends, non, tu vas le révéler. Et tu vas le révéler ce tour-ci. Donc il va faire 1, 2. Non, c'est bon, normalement il t'attaque pas. S'il n'y a pas de réactivation, il sera encore bien éloigné de toi. Ouais, puis au pire, j'ai des fusils. Ouais. Allez, 1, 2, 3, je vais dans le coin en haut. Ok, ici. Il se Donc, révèle. c'est Et rien je du vois ce que tout. c'est. Nickel. Et je garde mon calme. Ok. Et je réussis. Donc, on Bien. passe à 4. Et tu reprends un point, toi, d'ailleurs. Et je gagne un point. On passe à 4 aussi. À toi. Ouais. Deux petites secondes. Voilà. Tac. J'ai vérifié. Il n'y avait rien dans le couloir, c'est bon, tu peux ouvrir la porte. Ok, j'y vais. Ça et la menace, on a dit qu'on était à 4. Donc du coup, moi je fais 1, 2, Tu peux rentrer 2. direct. Ouais, donc je me défausse le trousseau de clés. Hein. Donc, je défausse la carte ici. Tac. Et je. Ah. Ouais, remarque, tant pis, je rentre direct. Ici. Donc, Je tire une carte ouais, pièce. les pièces, s'il te plaît. Il y a un truc spécial avec cette salle. Déjà, le premier survivant qui rentre dans la salle gagne un dé bleu en confiance. Ok. Donc, déjà, je vais tirer le dé. Je gagne 2. Donc, je passe à 2. Deux. Et tu places directement un pion Un pion. ressource de plus qu'indiqué sur celle de la carte de la pièce. Ouais, alors attendez Donc une petite c'est. seconde. C'est Alors quoi? celle de la pièce, c'est Arg. Donc c'est deux pions ressources. Donc en fait, on place trois pions ressources. Ok. Et en plus, il n'y a rien. Putain, on a du cul. Ah non, si, il y a des rôdeurs. Oh!
Si. J'avais pas S'il y a vu. des rôdeurs. Attends, c'était Glenn que je voulais faire. Et un paquet de rôdeurs en Ouais, plus. c'est Attends, clair, déjà, on va putain, passer je les suis trois pions deg. ressources. Bah, c'est les flics qui étaient planqués dans l'armurerie, tu vois. C'est ça, ouais. En plus, c'est en tenue Donc. anti-émeute, je suis sûr, c'est con. Alors, trois On les met ressources. où? Ben, on n'a qu'à les mettre pour le casier du sac. Déjà deux à côté de l'armoire. Dans l'armoire, hein, je dirais. C'est plus logique. Ouais, sur l'armoire. Et l'autre, on n'a qu'à le mettre en haut dans le coin. Ok. Ce qui me paraîtrait le plus logique. Donc ça c'est fait. Et un dé bleu et un dé rouge de rôdeur. Donc je vais jeter le dé bleu et le dé rouge. Et on tombe sur deux. On a de la chance. Putain. Ah, mais Deux je suis rôdeurs qu'on con. va mettre. Ben, sur le pion sécurisation et l'autre en bas. Du coup, j'avais agi tout à l'heure. J'ai fait le corps à corps. Je viens d'y penser. Ok. Bon, il me reste une action. Ben, je vais attaquer. Ouais. Ben, allez, j'ai un blanc et un rouge. Et je vais essayer de défoncer un coup de matraque et un rôdeur. Allez, Glenn. Allez. Allez. Deux. Et le rôdeur, il fait Hop. zéro. J'attaque lui en haut. Hop. Donc lui, il tombe à terre. C'est quelque pion. Sécurisation, il tombe à terre. Ici. J'ai fini de jouer. Alors attends, il y a un truc, faut pas qu'on oublie là, c'est cette salle là. Comment je pourrais me mettre un. Faut pas qu'on oublie dans l'obscurité en bas, hein, qu'il y a un. Moi, j'ai laissé la carte, en fait, la Ouais. carte obscurité totale, je l'ai laissée dans la Faut pas pièce. qu'on oublie qu'il y a un pion qui spawn à l'intérieur. Bah, tout le monde a fini de jouer de toute façon là. Carte est belle. Ouais, Hein. ben là, il y a un pion qui spawn. Tu peux déjà la mettre. Ouais, allez, je le mets ici. On le met à l'endroit où il y a le pion sécurisation. Oui. Donc, carte événement. Terrifié. Choisissez un survivant. Il doit choisir entre soit perdre un des blancs de points de réputation, seulement s'il en a au moins un à perdre, ou faire du bruit. Ah. Faire du bruit, moi je suis pas trop pour. Hein. Si, moi je suis pour, mais Tyrese. Iris ferait du bruit pour que tu me rameutes tout en bas. Ouais. Non? Parce que si tu fais du bruit, ça fait 1, 2, et après il se déplace, ça fait du corps à corps hein, sur toi. Pas trop bon. Parce que là, tu vas faire du bruit, ça va faire se déplacer 1, 1. Deux, et ça veut dire qu'à eux, à leur phase de déplacement, ils vont faire 1, 2 et ils vont t'attaquer. Moi, ouais, il y en aura un qui va t'attaquer. Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est quand même risqué. En plus, ça va faire. Bon, alors, on va faire ça avec la réputation alors et on choisit Andrea. Andrea, Parce allez. qu'un point à perdre. Ouais. Donc Andrea passe à zéro. Mais j'en ai deux, 2 points. Ben, oui, je passe à zéro. J'en avais deux des fois. D'accord, je crois que t'as avec un. Non. Ben, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai perdu deux. Non. Ouais, je retombe à zéro ici. Et donc, c'est au token. Donc, token, il n'y en a qu'un. Ben, pour moi, ça va pas l'avancer. 1. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Non, il est bien trop loin. Pour moi, il n'avance pas. Hein. Parce que même si on le met là, ça n'avancera pas en fait. Ouais, il est bloqué. Il est bloqué. Ok, donc on n'a qu'à commencer par ceux qui sont en haut. Donc les rôdeurs, ils avancent de 2. 1, 2. 1, 2. Donc ils se suivent à la queue leu-leu. L'autre, il fait pareil en bas. 1, 2. Glenn, il se fait attaquer. Mais Glenn, je vais d'abord faire agile. Pas me faire avoir. Ça, si je peux rompre le combat et rattaquer après, ça sera plus judicieux. Et putain, j'ai fait une phase vierge. Hop, pardon pour les gros mots. Donc, je loupe. Eh bien, il m'attaque. Je t'attaque avec un dé rouge. Ouais, et moi, j'ai un Il des fait rouges. un seul. Et moi, je fais 2 1 critique, donc il se passe rien. J'ai réussi à esquiver. Ok. C'est à Rick
Donc il garde son calme. Donc je jette le dé noir. Il réussit. Enfin, Ouais. on passe à 3. On n'était pas à 5, on était à 4. Non, on avait baissé. Ah oui, tu as raison, on passe à 3. Yes. Passe à 3. On passe à 3. Et donc il avance de 2, donc il va aller vers en haut. Hein. Donc 1, 2, ici. C'est bon, il est dans le prolongement du casier. Ouais, il est dans le couloir là. Ici, donc ben on remonte de 1, donc on repasse à 4 et il y a un rôdeur à terre. Je vais te le dé noir. Étoile. Donc étoile, je crois qu'il se relève. Ouais, il se relève, ouais. Il se relève. Donc Glenn, il a 2. Ok, je récupère la. Je pense que je vais appeler Rick. Appeler Rick. Ah ouais, mais si je perds plus de réputation, je crois que l'action s'annule, il me semble. Il n'y a pas une connerie comme ça. Parce que là, Est-ce que tu j'ai. appelles? Ouais, parce que là, j'ai que 2 en réputation. Mais si il me sort un 3. Et ouais, ça, c'est page 17. Si le survivant n'a pas assez de points de réputation pour payer le coût indiqué. Par le dé, il perd toute la réputation, mais en fait l'action échoue. Je tente quand même ou quoi? J'aurais une chance sur 3 ou 4 de faire un 3. Ouais, tu peux tenter. Parce que ça, disons que si je l'appelle, au moins il peut me tuer les deux là direct, quoi, tu vois. Bah, sinon, on essaie de les tuer, nous. Hein. Regarde, il y a Michonne à côté. Ça se tente, hein, parce qu'il va pas Ouais. rentrer dans la salle, lui. Non, lui il va vouloir aller tout droit. Ouais, donc on peut tenter encore. Ben, qu'est-ce que je Déjà. fais? J'en attaquais et puis je fouille la roue sur sa côté en cas. Ouais, on Ça, peut je tenter. pourrais rien faire d'autre façon. Enfin, je réfléchis quand même. Moi j'ai bien envie d'appeler Rick en fait. Ça nous ferait gagner du temps. Hein. S'il me tue les deux, je peux sécuriser, tu vois. Allez, Bah vas-y. vas-y, Allez. tente. Ouais, allez, je tente. Pas se louper. Hein. Ouais, bah écoute, ça va avec le dé, on va voir. Hein. Allez, allez, allez. Un, c'est bon. Donc déjà, je perds un de réputation. Glenn, il passe à un. T'appelles. Rick! Rick. Rick, viens là! Combien de cases il se déplace? C'est 3 cases, je crois. 1, 2, 3 ici. Donc il est dans la salle à côté de Glenn. La cam de près. Ici. Et après, je jette un dé bleu, si je dis pas de bêtises, pour exploser tous les rôdeurs. Je vais rappeler Negan. Déplacer de 1 à 3 cases. Ok, c'est ça. Donc appeler Eric. Et je jette le dé bleu. Allez. Ah non! Il me fait Ça, 1. c'est pas de chance. Ah ouais, là, c'est vraiment pas de chance. Donc je tue lui. C'est vraiment pas de chance. Bon, tant pis, j'en aurais tué un déjà. Allez, Glenn, deuxième action, ben j'attaque. Allez, bien, regarde ça. 4-1 critique. Ah! Ici. Nickel. Ok. De Donc. rôdeur dans la salle. Ouf. Glenn, il prend un point de confiance. Il repasse à 2. Et il n'y a plus de rôdeur dans la salle. Du coup, on a tué 2, 4, 6, 7 rôdeurs en tout pour l'instant. J'ai pas mon stylo là qui traîne. Pas mal. Et c'est à toi de jouer. Donc c'est à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par Tyrese. Ok. Je vais en face, en face, en face. Ok. Et j'attaque le rôdeur. Donc l'idée, c'est que je fasse des maximums de dégâts. Je fais 3, il tombe à terre. Ouais. Et la deuxième action, vu que j'ai la clé à molette,
En fait, c'est là dans la même action, hein. C'est pas une deuxième action. En fait, dans la même Oui, c'est action, vrai. Ouais, c'est la même tu le action. fracasses, quoi. Donc, Je fais trois encore, donc je le bute. C'est bon. il était à terre. Tu le tues directement. Ouais. Donc, tu passes à 5 en rep, si je dis pas de bêtises. Ouais, je Et au passe à moins, 5 en rep. Et au moins, confiance. là, t'as Iris, là, il peut les enchaîner. Voilà, ouais, t'es bien. Il est bien parti, Tyrese. Je le sens, il est chaud. Ici, et donc, bah, il te reste encore une action, mon ami. Et ben, je vais garder mon calme. Je garde mon calme et je rate. Ok. Bah, vu qu'on a joué là. C'est à toi avec Ouais. Andrea. Vu qu'on a joué. Bah, de toute façon, je suis con, je suis en train de réfléchir. Il me reste pas rien à jouer. Donc, Tu vas-y, fouilles, hein? bah, j'ai fouillé déjà. Je garde mon calme. Ah oui, c'est que t'as dû fouiller. Ah, mais j'ai pas de chance. Terrible. Je loupe. Et je vais avancer de 3. Ben, Donc, je fais ouais. 1, 2. Alors, attends. 1, 2, 3. Ici. T'es juste en gauche de... Ouais. Ouais, juste là, En bas ici. gauche. Voilà. C'est un Michonne. Michonne, bon, je pense que Michonne, elle va tenter de rentrer dans la pièce et sécuriser, hein. C'est temporiser un peu. Un, 2 sur Glen. deux, trois. Ouais, en fait, juste au-dessus de Glenn, en fait. Dans le coin là, ou tu veux plutôt aller en bas pour Oh, les ouais. pions? Parce que tu pourrais faire 1, 2, 3 pour être à côté des Ah pions oui, ressources, sinon non. t'as raison. Ouais. Je vais mettre Donc juste à côté potentiellement 2 de pions. Eric. Ok. Ici. Donc ça, c'est première action. Et deuxième action, bah, je vais peut-être Ouais. sécuriser. Donc on a combien? C'est un des blancs par... Donc on Ouais, a par Yarick aussi. survivant, Yari, quoi. Donc on est 3. 3 des blancs. Ouais. Attends, Pas eu trop peur. attends. Laisse-moi vérifier quand même si Rick il est comptabilisé. Parce que je sais que Rick, normalement, il n'est pas censé rester dans des pièces non sécurisées. Mais là, c'est particulier vu que c'est moi qui l'ai appelé. Y compris, si c'est bon, y Là. compris Negan si vous l'avez appelé. Ouais. Ok, bah tu vois. Voilà. Tombe bien dans la bonne Donc c'est situation. 3. Ouais, 3 des blancs. Et ou 4, c'est bon. Bon, Pas de soucis. easy. Easy, tu prends 2 points. Sécurisé. Passe à Je prends 2 6. points. Donc le mission passe à 6. On Sécurisé. baisse le niveau de menace de 1. Oui. Et toi, tu gagnes plus un point aussi en réputation. Glenn passe à 3 en réputation. Ouais, je passe à 3. Ok. Et maintenant, on peut faire deux tirs. Maintenant, on peut effectuer deux actions de tir par tour. Ok, donc on peut faire 2 actions de tir. Et ça, c'est bon parce qu'on arrive à redescendre la menace. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ok. Et du coup, on a fini tout ce qui était action spéciale dans la salle. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Très bien. Moi, je peux plus rien faire. Bon, mais c'est pas mal déjà. Il y aura pas mal de ressources à récupérer dans cette salle, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on va remettre la vue de haut parce que là ça va être au rôdeur du coup, donc c'est phase événement. Ouais, ça va être chaud de prendre les ressources parce que Rick, il va faire le tour là, donc faut pas se louper, hein. Au pire, on pourra l'appeler, tu vois, qu'il revienne en arrière. Hein. Ah ouais. Pour libérer la route, un truc comme ça qui recule. Tant qu'on récupère les ressources. Ok, vas-y. Donc, Ouais, event. événement. C'était quoi ça? Choisissez un survivant, le pion rôdeur le plus proche de lui avance immédiatement de 2 cases vers lui, en suivant les règles normales et en s'arrêtant s'il est révélé. Ça s'ajoute au déplacement normal du tour, s'il n'y a pas de pion rôdeur. Donc le pion rôdeur qui est dans la salle. Ah non, Ah, déjà, on a oublié, il faut déjà il faut rajouter en un pion rajouter, rôdeur. ouais. C'est clair. Déjà, en Donc on rajouter. le met juste à gauche, on le met à gauche de celui-là. En haut, tu le mets? Ah, Ok. derrière? Ouais, ici. Ouais, à gauche, ouais. Oui, pardon. T'as raison. Ici. Donc, le pion rôdeur qui est sur le pion Là. sécurisation, ben, il avance de deux De cases. 2 cases, ok. Donc là, il est révélé. Hein, parce qu'il nous. Il Il est voit. révélé. Donc, Ouais, il voit ouais, il est Andrea. révélé. Hein, donc c'est un Et blanc. c'est quoi? Jette le dé blanc. Oh putain, deux rôdeurs. Deux rondeurs. Carnage, cette pièce, je sais pas comment on va faire. Franchement, non. Ben, on n'a qu'à les Je suis mettre côte à chaud. côte.
Ici, c'était vraiment chaud, quoi. On va y arriver, on va y arriver. Côte à côte, donc là, ok. Et c'est bon, c'est fini. C'est fini. Ok, donc c'est les pions. Lui, il avance, il va sur le pion sécurisation. Ici. Ouais. On reprend par en haut, eux, ils avancent de deux cases. Une, deux, et l'autre, il est derrière. Celui qui est dehors, il va entre Andrea et Tyrese. Et de toute façon, ils vont tous pareil. Lui, il fait. Ah, quoique. Lui, il va faire 1, 2 sur le point d'entrée. Et lui, bah, il vient dans le couloir, ici. Et en fait, il y en a un qui va attaquer Tyrese et il y en a un qui va attaquer Andrea. Oh putain. J'avais fait esprit, en fait, de mettre là pour me faire attaquer. Je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Donc, Andrea. Attends. J'ai l'impression que je me suis un peu planté. Moi, j'ai trois rôdeurs là à côté. Attends, je peux te mettre la cam de près, si tu veux. Ouais. Ouais, moi, je les ai mis comme ça par rapport où toi tu es là, en fait. Ouais, c'est ça, les trois. Ouais. Juste que voilà. Je voyais pas trop. Sauf qu'il y en a un qui okay. t'attaque ici. Et lui, en fait, pour moi, il a déjà ça en moi là dans l'angle. Donc, il m'attaque. Ouais, ok. Ben, je suppose, hein. Je pense que je peux. Oui, je ouais, suis. Si, Oui, si. C'est ça. Donc, bah, Tyrese, un des blancs de défense. Et je fais 0, raté. Juste enlever ton casque. Ouais. Tu prends Quoi, deux et c'est une 2 et un morsure. critique? Ouais. Et... Loupé, une, deux, putain, je passe à 2 et mordu. Oh là là, le carnage. Ouais, ça pêche. Andrea. Et toi, Andrea? Je fais deux et un Un. critique. C'est dommage que Bah, je c'est tue bon. pas là. Putain. Ok, Ah, Cora. Tyrese, il est mal barré. Ouais, là, il a Tyrese pris est mal cher, là. barré. Là, il a pris cher. Ouais. Donc là, c'est fini. C'est à Rick. Rick qui garde son calme. Il réussit. Donc on baisse de 1, on passe à 2. On passe à 2 et il se déplace donc de 2. 1, 2. Ici. Fin de tour. De toute façon, on remonte de 1, donc on repasse à 3. On passe à 3. On a sécurisé trois pièces. Il n'y a pas de rôdeur à terre. Par contre, Aéris, il est mordu. Ouais, donc j'éteins des mains. Aéris, il est mordu, putain. C'est mal barré. Hein. Ah, le gros balèze, en plus, on compte sur lui. Attends, c'est où les morsures déjà? Regarde en fanbook. Un bouquin Ah, justement, je suis en train de lancé. voir. Alors attends. Appliquer dégâts du feu. Ah, C'est pas comme un autre war, tu vois, il n'y a pas de. ah, t'as pas de jet de mort. Ça m'étonne. Ne dis pas qu'il n'y a pas de jet de morsure dans ce jeu. S'il obtient une morsure et que le survivant perd des points d'endurance, celui-ci est mordu. Diminuer la réputation du survivant donne des bleus. Ah, ça aussi, en plus, il faut faire. Et retourner le pion endurance du survivant pour faire apparaître le symbole morsure. En plus, il faut que je jette un dé bleu. Donc c'est tout en fait, ton malus c'est Ouais. de perdre de la confiance, mais tu n'as pas de jet de morsure alors. Bah si, après, t'as un symbole de morsure, t'as bien le truc. C'est bizarre. Mais tu l'as pas pourtant dans la phase finale, donc c'est qu'en fait tu dois pas le jeter à mon avis. Alors phase finale, retirer les pions d'activation, augmenter la menace, le feu, les morts reviennent, passer le jeton au premier joueur. Ah, il n'y a pas de morsure. En fait, la morsure, c'est que Mais tu à quoi perds ça sert? des ben c'est juste que tu perds des pions des points de confiance. Ah, attends, et le fait d'avoir le symbole de morsure un joueur, ça joue, je crois, pendant le scénario, non? S'il y a quelqu'un qui a été mordu, t'as un truc spécial. Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre quand même, au moins qu'ils aient oublié la règle dans le livre. Non, 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 c'est pas ça, c'est que dans le mode survie, là, t'as le mode survie à la fin, Oui. tu vérifies, Oui. Oui, tu as tu vois, raison. c'est page 39. Les survivants morts à cause d'une morsure recommencent le jeu à zéro.
Tu as une figurine mordue mais qui n'a pas été retirée du récupère à la place un point, si elle reste mordue. Bref, tu vois, c'est vraiment à la fin en fait, c'est dans le mode survie. Ok. Et sinon, il n'y a pas de morsure dans ce jeu, c'est Ouais, tu différent de vois, l'autre. ouais, il me semblait que je l'avais joué moi dans ma campagne. Mais ok. Du coup, tu dois perdre quoi, un bleu? Ouais, ça y est, c'était fait, je suis tombé à 4. Donc, tu es redescendu à 4. Ok. Et donc, on a terminé, et c'est nouveau tour, ça. Ouais, c'est ça. C'est eux qui récupèrent la batte. Attends, il n'y a pas Harry qui bouge ou... Il a Non, bougé non, déjà. c'est bon. Ouais, tu l'as mis où? Tu l'as Je l'ai mis mis... là-haut, là, regarde. Dans le coin du couloir. Ok. Ouais, faire gaffe avec les rôdeurs là. Bon. Ouais, bah écoute, tant pis, hein. Est-ce qu'on... Alors attends. Parce que là, ce qu'on peut faire, moi, je peux tirer deux fois, hein, dans tous les cas. Mais je vais faire deux fois du bruit, par contre. Donc, il faudrait qu'avec nos deux persos là-haut, qu'on arrive à garder notre calme et peut-être fouiller. Tu vois, si on arrive à tenir la menace. Derrière, moi, je tire deux fois. Hein. Mais il faudrait qu'on rappelle Rick avec nous aussi. Parce que sinon, Rick, il va se Pourquoi? vénère là-bas. Après, on n'est pas obligé de l'appeler. Ce qu'on peut faire, c'est en servir pour qu'il bute les rôdeurs. Oui, on peut faire libérer, c'est pas libérer la route comme ça. Ou appeler Negan, on peut l'envoyer là-bas. Quand tu l'appelles, en fait, il attaque, quoi. Ça peut être bien, comme ça, avec de la chance, il bute les deux rôdeurs. Et nous, on n'a Ouais. plus de rôdeurs à gérer en haut, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai que deux en rep, en confiance avec Glenn. Moi, je serais d'avis de Ouais, te laisser faire par contre ça. je peux m'en occuper, mon Michonne, elle en a pas mal. Donc... Ok, bah vas-y. c'est à moi à commencer? Ouais, c'est toi qui as la batte. Une, deux, trois. Alors, comment on fait? Je me déplace de 1, 2 en diagonale. Il faut que tu jettes d'abord ton. Tu fais quoi là? Tu appelles Negan? Ouais. Il faut que tu jettes le dé bleu d'abord. Des bleus, et je fais 2. Donc Donc tu je perds. passes 2, je tombe 4. 4. Voilà. Après, tu peux choisir où tu l'envoies. Et donc je l'envoie Ben devant. de une case devant lui. Il est dans le coin. Il est en haut dans le coin. Suffit en termes de distance, ensemble, pour tuer les deux. Ça, c'est jusqu'à 3, hein, Ouais, c'est ça, c'est mais... dans les trois cases d'un rôdeur, ils disent. Et ensuite, je lance un dé bleu. Et il va retirer deux rôdeurs. C'est Bien nickel. joué. Les deux sont morts. Ouais, Hop. ok. Bien joué ça. Il y a plein de trucs comme quoi. Non, non, c'est bon. Ouais. Et après, il te reste une action. Bien joué, hein. Bien joué, bien joué. Comme ça, on n'a plus de rôdeur, c'est déjà ça. Et une autre action, ben, je vais. On a deux. Donc, je vais fouiller. Je vais fouiller l'étagère de droite, là. Ok, ici à droite, et tu vas choper des médicaments. Défoncer cette carte pour retourner le pion morsure d'un survivant. D'un survivant adjacent. Oh purée, ça pourrait être bien ça pour Thierry. Ouais. Ouais, donc ça je mets ça à côté, c'est ça? Ouais, c'est en fait, il n'y a pas. T'as un gros sac à dos, en fait. Il n'y a pas de limite de pactage dans ce jeu. Ok, donc c'est ta C'est Glenn. bon. Glenn, il va garder son calme. Tu préfères que. Non, je vais garder mon calme d'abord. Bon, après tu peux fouiller, hein. Allez, allez, bien joué. C'est bon. Donc, on passe à 2. Et je passe à 3 points de confiance. Donc, on passe à 2 en menace. Et Et en tout Glenn. cas, faut trouver un moyen de nettoyer la pièce là parce que Ah putain, c'est vrai, ça va c'est spawn chaud. encore. Ouais. Ouais. Glenn, il passe à 3. Donc, Ok. avec Glenn, faut faire le tour et foncer dans la pièce pour tuer le maximum de rôdeurs, quoi. Là, je pense qu'on est pas mal de toute façon. Hein. Regarde le prochain tour, il faut qu'on aille là-bas. Hein. Ouais. Tu veux que je commence à m'avancer?
où je fouille. Donc on est où? On a combien de réputation? Pas de réputation On a deux en menace. de menaces, ok. Donc là, on est plutôt tranquille, Bah, là, les c'est toi rôdeurs, qui ils rentrent pas pour l'instant. vois, tu peux très bien fouiller, hein, donc. Ouais, je pense que je vais fouiller au prochain tour en bouche, si on peut tomber sur des bons trucs. Allez, je fouille en haut là. Ouais, vas-y. C'est cool d'avoir si je peux avoir une bonne arme, ça serait bien là. Allez. Ah putain, tu es en métal. Encombrant. Le survivant peut utiliser l'action. Combat contre. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il est bien le tuyau. Tu peux frapper les cibles à deux cases en fait. Ben, prends-le, hein. Donc je vais l'équiper, hein. Je perds mon casque. Là, je pourrais faire des doubles attaques aussi. Ici, donc j'ai fini de jouer. Ouais, C'est vas-y. notre duo de choc en bas maintenant. Ok, Tyrese, il commence à se chier dessus. Tyrese, un bleu, un blanc. Il attaque. Il fait deux. Hop, deuxième attaque. Elle Attends, meurt. attends, attends. Il fait deux, il se défend quand Ah même. non, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Il fait deux également. Ah. Pas de chance. Donc, tu en fais ton deuxième attaque. Deuxième attaque. Deux. Ah, Tyrese, tu déconnes. On va casser cette arrive. Il fait un, donc il tombe à terre. Ah, Ah, tombe on n'a par pas de terre. chance. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? Ben, que je bouge, de toute façon, parce qu'il y a quelqu'un qui bloque le. Je vais pas me faire mordre, de toute façon. Il y a un Non, zombie par sachant terre. que moi je vais tirer deux fois sur les deux rôdeurs debout de toute façon. Ouais, donc je reste là. Je vais garder mon calme Tu. plutôt. Ouais. Et je réussis. Et Bien on passe à. joué, ça, bien joué. Passe à 1. Passe à 1 et tu prends 1 de confiance. Je passe à sec. Allez, ça va être Andrea Attends. maintenant. On a bien baissé la menace, Andrea va pouvoir se faire plaisir. Donc Andrea, première action, ben elle va tirer sur le rôdeur debout. Donc j'ai un blanc, un bleu. Je fais 3. Au moins une critique, bordel. Donc lui il tombe. Et je vais tirer donc sur l'autre qui est debout derrière. Je fais 3 encore, c'est terrible, il sort pas. Il tombe à terre. Putain. Attends, je joue trop vite. J'ai première action, j'ai tiré. Ça a fait du bruit. Plus 1, on passe à 2. On passe à 2 et le token qu'il y a dans la salle, il va se déplacer. Donc il se Ouais. déplace d'une case tout droit. Ici. Ensuite, j'ai tiré une deuxième fois. Donc ça refait du bruit. On passe à 3. On passe à 3 et le token devant, il avance à la porte et il y a ligne de vue sur Andrea, donc il se retourne. Il se retourne et c'est du rouge. Okay. Et c'est du rouge et c'est rien du tout. Ouf. Et ça, c'est bon. Donc tout le monde a fini de jouer. On fait spawn un nouveau bordel au milieu. Ici, et carte event. Carte événement. Attiré par le conflit. Placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuelle compris. Donc, il n'y en a pas. Non, ouais. On a de la chance. On a vraiment de la chance d'être resté juste en dessous, hein, niveau 3, quoi. Puis tous les pions rôdeurs en jeu se déplacent en suivant les règles normales. Cela s'ajoute au déplacement normal du tour. Il faut déplacer les pions rôdeurs, juste. On Ouais, déplace bah de 1. écoute, la Juste à carte, droite. Voilà. c'est quoi, attiré par le conflit? Attiré par le conflit. Ouais, bah écoute, je la trouve pas la carte. Bon, tant pis. Donc tu m'as dit on a juste à déplacer le pion rôdeur d'une case. Ouais, à droite. C'est bon. Ici, donc ensuite, ben, de toute façon, il va se redéplacer. Donc, ben, ligne de vue sur Andrea et c'est un rouge. Je te laisse faire ce coup-ci. Allez, fais-moi une C'est passe zéro. vierge. Bien joué. Ok. Ici. Ben, de toute façon, il n'y a plus de rôdeur debout. Ouf. Ça c'est bon là, par contre il y a un bon coup à faire, qu'on y arrive. C'est à Rick, il garde son calme, c'est toi qui as l'initiative. Ouais, faut pas qu'il
Faut pas qu'il se relève surtout. Ouais. Donc Rick, il réussit. On passe à 2. On passe à 2. Il se déplace de 2. 1, 2. Ok, il va juste au-dessus de la ressource. Et donc, ben, il faut que tu fasses les rôdeurs à terre maintenant. Donc, celui qui est à côté de Tyrese, étoile. Étoile, c'est il se relève? Ouais, il se relève. Ouais. Celui qui est à côté de Tyrese se relève. À côté d'Andrea, il reste par terre. Et dans l'autre, il reste par terre aussi. Ok. Bon, il y a moyen de faire un bon truc là. Ensuite, on remonte de plus 1. Oui. On remonte de Ouais, plus en 1. fait, là c'est bon, hein. Enfin, sauf si je me plante avec Tyrese, mais sinon on bute les trois. Donc on passe à 3. Ouais, et je récupère la batte. Ouais. Alors là, avec Andrea, tu peux tuer les deux à terre. Donc, tu veux que je tire? Ouais, sur les deux à terre. En fait, ça va faire du bruit, mais tu vas buter les deux directs. Ouais, je vais faire du bruit deux fois. Par contre, est-ce que ça vaut pas le coup que j'essaie de tuer celui debout? Ben en fait, moi, avec celui debout, je peux attaquer deux fois. Ah oui, et Tu vois, puis avec et mes deux oui, parce armes. que et oui, toi tu peux attaquer deux fois mais la même cible. Et oui, pas qu'on fasse de bêtises, ouais, tu as raison. Donc, Donc c'est quasiment certain que je vais minimum le mettre à terre, tu ouais. Par contre, moi, si je fais trop de bruit, il va avoir un spawn. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas jouer d'abord en haut? Glenn et Michonne pour garder le calme, tu vois. Si on peut retomber à 1, ça serait top. Écoute, je vais commencer par Glenn si ça t'embête pas. vois. On est à 3, là. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais en fait, si tu veux, je vais tirer, on va passer à 4. On va être dans tout est calme, ça veut dire qu'il y a un Ouais, t'as rôdeur qui raison. va apparaître là-haut, là, en fait. Ouais, super, t'as raison. Donc, je vais jouer Glenn en premier. Alors, Glenn, il va garder son calme. Il réussit. Allez, c'est bon. Yes. Passe à 2. Tac, et je gagne 1 de confiance, donc je passe à 4. Je passe à 4 et je vais donc me déplacer. Hein, je vais sortir. Donc je me déplace de 3 et je fais donc 1 en diagonale, 2. Bah, attention, je ne peux pas aller plus loin, donc je suis derrière Rick. Je suis derrière Rick. Et j'ai fini de jouer, c'est à toi. Donc c'est à moi ce que je vais faire avec Tyrese, ce que je vais l'attaquer. Donc bleu et blanc. Fais 2. Ok, Vas-y, jette la défense. allez, t'inquiète, c'est bon, ça va gérer, ça va gérer. Allez, il fait rien du tout, il tombe à terre. Et donc, Il tu le va un peu tues. par terre. Et je vais le tuer avec la Ok. deuxième attaque. Tu gagnes un Donc point, tu ça, passes à la deuxième attaque, 6. la seule attaque, mais. Passe à 6 et bah, je vais garder mon calme. Ok. Ouais, c'est mieux que je puisse faire. Et je loupe. Dommage. Ok. Donc moi, du coup, bah, tu veux que je tire deux fois alors. Donc je tire une fois sur le rôdeur qui est sur l'entrée là. Hein? Ouais. Donc je gagne une réputation, je passe à 1. Ça fait du bruit, on passe à 3. Il se passe rien pour le moment. Je tire une deuxième fois. Ici, donc je gagne fin de confiance, je passe à 2 et maintenant ça passe à 4. Ici, par contre, là je crois qu'il va avoir un spawn. Ok, il va avoir un spawn là-haut si je dis pas de bêtises. Tu fais du bruit. Bruit, c'est page 12. Et avance le compteur de menace de 1 point. Tous les pions rôdeurs avancent de une case à la source de bruit. Il n'y en a pas. Tous les rôdeurs debout, mais il n'y en a pas non Pas plus. Placez un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche de la source du bruit jusqu'au niveau de menace actuel compris. donc c'est là-haut, c'est le plus proche et par rapport à la menace, vu qu'on est en faible, pour moi c'est ici. Ouais, c'est en haut. Ok, Donc c'est pas très loin de Rick. Ok. donc ben c'est bon. Andrea a fait ses deux actions, hein. J'ai tiré deux fois et c'est à toi avec Michonne. Donc ben, je vais fouiller déjà.
Ici, Tombe sur quoi? je vais dire ça, tu tombes sur un cigare. Que Donc j'ai si dit tu qu'on fais s'était le pas trompé. cubain devant Rick, tu gagneras des points de confiance. Et ben je vais me déplacer et je me demande. Je me demande si je vais pas aller aider En bas. par en bas, tu vois. Donc Ouais. je vais courir. Ouais. Ah non, mais si on fait du bruit, ça risque de spawner, non? Ben oui, ça va spawn là et ça va se déplacer. Après, ça va être pareil, ça dépend. Si t'as de la chance, si tu fais pas de bruit, c'est bon. Toujours pareil. On a de la chance avec le dé noir. C'est pas top, c'est pas top. Non, après, ouais, en sachant que Non, derrière, au non, non. pire, avec Andrea. Ouais, Non, Tyrese, on va se je débrouiller. préfère. Une, deux, trois. Je me mets derrière Glenn. Donc finalement, tu passes par où? Attends, quoi que si je fais ça. C'est sûr, le plus dangereux, c'est clair que ça va être là. Hein, parce que là, il se passera plus rien de toute façon. Ouais. En bas, donc non, je vais plutôt vers en bas. Une, deux, trois. En diagonale, Deux. donc je suis voilà, Dans là, le voilà. prolongement de la caisse. Ah mais putain, on a... Oh, décidément. C'est l'expression du sud, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On avait le droit de tirer déjà deux fois la base. Ah mais non, mais je dis n'importe quoi. Je vais dire une connerie. Ok. Bon, ben on a tout joué. Ben, passe des veines. Donc, il y a déjà un truc qui spawn dans Ah la oui. pièce, hein. Ici. Hop. Hop là. Et phase d'événement. Donc, plus un dé blanc menace, c'est un nouveau danger. Je jette le dé blanc. On passe plus un, donc on passe à 4 en menace. Choisissez un. On n'était pas à 4 déjà. Ah oui, t'as raison, on passe à 5. On passe à 5. Choisissez un survivant. Choisissez la pièce sécurisée la plus proche de lui. Retournez le pion sécurisation pour qu'il y ait indiqué une pièce non sécurisée. Oh, les poulets, quoi. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez à la place un point d'entrée faible dans la pièce la plus proche de lui. Ouais, donc Ben, on n'a qu'à il y faire a un celle point d'en bas, hein, au pire. sécurité. Hein. On y retournera après, hein, s'il faut. Qu'est-ce que t'en Ouais, t'as penses? raison. Ben oui, vu Ouais, qu'on doit c'est une vraie revenir par sortie. là. Donc, on tourne Ouais, celui-là, celle d'en bas, ici. c'est bon. Puis on verra plus tard, on y retournera plus tard. Hein. Ok. Ce sera la sortie, ça devrait être bon. Là, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser la pièce. Ouais, là, Un celle-là, brouille à là. l'obscurité totale, quoi. Ouais. Ouais, ça va être la merde, sinon il faut qu'on la bloque, cette porte, cette zone-là. Ok. Donc là, c'est les tokens. Si tu veux, on commence par en haut, donc lui se déplace en diagonale. Ici, et lui, il va tout droit. Là. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Par contre, je vérifie quelque chose par rapport à l'obscurité. Ah oui, mais c'est dans la salle. Ah oui, c'est dans la salle en fait. Eux, s'il y a ligne de vue sur toi, même s'ils sont dans la salle, ils te voient et donc ils sont révélés. C'est un peu bizarre leur truc. Parce qu'il est dans la salle. Parce que tout à Non, c'est l'heure, juste qu'ils sont dans l'obscurité, mais. Non, on les faisait quand ils étaient au. au pas de la Enfin, porte. pour l'instant, Ouais. t'as pas encore tiré sur des rôdeurs à l'intérieur, en fait. Eux, ils Ok. nous voient, mais Ouais, c'est ça, en ils gros, nous on voient peut pas les ici voir dans la salle. avec la lumière. Donc, c'était l'event. On a déplacé les tokens. C'est à Rick de jouer. C'est moi qui ai l'initiative, donc Rick garde son calme. Vas-y. Il réussit. Donc on baisse de 1, on passe à 4. On passe à 4, il avance de 2. 1, 2 ici. De toute façon, ça ne change rien parce qu'on remonte de 1. Parce qu'on n'a pas sécurisé deux pièces. Il n'y a pas de rôdeur à terre. Et nouveau tour. Nouveau tour et je te rends la batte. Donc, je laisse Glenn s'occuper du jeton, hein, là-bas. Ouais, bah écoute, je vais essayer de gérer ça du coup, parce que c'est vrai qu'il avance vite ce con. 1, 2, 3. Je vais être obligé de courir, moi, je pense, pour passer devant.
Ouais. Ou alors tu faudrait que tu l'attires pour que tu appelles Rick pour qu'il revienne en arrière, tu vois, au pire. Ouais, Et je vais voir. Ignition. Ouais. Bon, je vais déjà utiliser Tyrese, ce que je peux faire de mieux. Hop, je te... Tyrese, il avance de une. Après, il a le droit de traverser, hein, t'es d'accord. Une, deux, trois, ouais, tu peux rentrer dans la pièce et tout même. Ouais, mais je vais pas rentrer dans la pièce parce que l'idée c'est d'en buter un quand même. Bah, de toute façon, il n'y a personne, on a tué tout le monde. Ah oui, les deux rôdeurs ils sont Eh morts quand même. oui, on les a Je les avais tués laissés. hein, Je les avais laissés avec abandonner. mon fusil, avec mon fusil Safari. T'as raison. Browing. Bon, je rentre dans la pièce. Donc, un, deux, trois. Donc, lui, du coup, tu es adjacent à lui, il est révélé. Il révèle les. C'est C'est du quoi? rouge. Donc, je vais jeter un rouge. Allez, vas-y. Je sais deux. Ah non. Ok. Donc, ça est au-dessus. Ok. Devant et dessus. Donc, ça, c'est première action. Et deuxième action, ben, j'attaque. Je profite à fond. Donc, un des bleus, un des blancs. Et je fais 3. Donc, il est mort. Parce qu'après, je le rappelle Ouais, derrière. donc le rattaque, il est mort. Ok. Fais qu'il juste un face. Donc, ça, c'était ma première. Ouais. Mes Deuxième deux actions, action. c'est bon. Ah ouais. Donc Ouais, tu à passes toi. à 7 en Je réputation. passe à 7. Tu passes à 7 et c'est à moi. Là, il fait carnage le Tyrese. Ok, moi qu'est-ce que je peux faire? 1, 2. Putain, du coup, je t'aime. 1, 2, ouais, 1, 2. Oh non, je peux pas traverser. Déjà, toi, 1, 2. Ouais, non, ça change rien, je ne peux pas aller ailleurs. Les coureurs deux fois, ça fait Peux te chier. mettre juste derrière. Tu peux te mettre juste derrière moi, sinon, mais tu peux pas lui tirer dessus, quoi. Ouais, l'idéal, ça aurait été de le tuer pour sécuriser, tu vois. Mais non, même pas, je peux Ah, pas mais sécuriser. Je peux pas faire les deux. tu peux vraiment pas là. Ouais. Ah, c'est con ça. Bah, mets-toi derrière Tyrese et tu gardes ton calme, quoi. T'as pas trop le choix de toute façon parce que Ouais, de tu toute peux pas façon, ouais, je tirer. peux rien faire. Ouais. Donc, je vais garder mon calme. Et derrière Tyrese, comme ça. Ouais, allez, donc je fais 1, 2, 3 derrière Tyrese et je garde mon calme. Et je réussis. On tombe à 4. Andrea, elle passe à 3 points de confiance. Ok, et c'est ta mission. Donc Michonne, qu'est-ce que je vais faire, Michonne? Bon, maintenant que ça s'est bien sécurisé, est-ce que je laisse faire? Parce que 1, 2, 3, je peux pas faire grand-chose dans la pièce là. Mais après, le truc, c'est Est-ce que que là, ça veut pas. parce que là, il va y avoir un nouveau qui va arriver encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, j'arrive, Ouais, j'ai vaut bien mieux que tu m'aider. viennes. Hein. Au 1, secours, viens nous 2, aider. 3. 1, 2, 3. Ouais, donc juste au-dessus d'Andrea. Ouais. Et je garde mon calme. Et je réussis. Donc on tombe à Passe à 3. 3. Et n'oublie pas, hein, tu gagnes une réputation, une confiance. J'arrive à 5. Réputation. Ouais, mine de rien, tu vois, ça, avec ces trucs de confiance, ça monte. Hein. Ah, purée, en plus je peux soigner avec le médicament, je peux soigner Tyrese, faut pas que j'oublie. Ouais. Donc on est à 3. Ok. Ben, je vais courir alors hein, avec Glenn. Cette fois-ci, hein, ben, putain, il faudrait que... Ouais, faut. Ouais, il faudrait que j'aille bloquer ou alors. Attends, je regarde les règles 2 secondes. Je peux faire libérer la route aussi, donc je pourrais peut-être le faire revenir en arrière. Non, libérer la route, je crois que tu es obligé de le faire aller vers le point cible. Ouais, Ouais, c'est pour qu'il aille plus vite en c'est fait. deux actions différentes. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de perdre des points de confiance pour le faire? Et si j'arrive à courir, 1, 2, 3, 4, il faudrait que j'arrive à courir à 5. J'arrive à courir à 5 et encore. Si je cours à 4, Parce lui. qu'après, après il va rester derrière toi. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu cours à 5, Ouais, lui il va rester derrière toi. s'il fait 1, 2.
Il faut voir ce qu'il y a là. Parce que si même s'il fait un 2 et que là, selon le rôdeur que c'est, si je ne l'ai pas tué, il va être vénère quand même. Non, mais si tu Mais fais ça se 4 ou 5, si tente. tu arrives à passer 2. Non, mais. Et Ah non, ouais, après, il va c'est. me sauter par-dessus. Bah, ça ne changera rien de toute façon. Allez, ça ne changera rien. De toute façon. Si, mais si tu fais 5, c'est bon. Ouais. Allez, donc, je Ben, je fais 4 et je fais pas de bruit. Ah. Par contre. 1, 2, 3, 4. Ah, mais attends, J'ai regarde. juste devant le 1, blanc. 2, 3, 4. Donc là, tu es d'accord avec moi quand il me voit. Il te voit, vas-y, révèle-le. Il me voit. C'est un Ouais. rouge. Ah, mince. Allez, ça va le Deux faire, ça va rouges. le faire. Il fera non. Deux. Donc deux. Allez, un devant et l'autre on le met derrière. Ici. Tac. Donc c'était ma première action. J'ai couru, j'ai pas fait de bruit. Par contre, tu te rappelles que j'ai le tuyau en métal qui te frappe à deux cases. Donc une, deux. Donc avec mon grand tuyau, je vais lui exploser la tronche. Ah, pas con, pas con. Allez, on y va. Allez, ah, je fais deux in critique. Allez, ça peut le faire. Nickel. Je fais la défense. Un, c'est bon. Ok, donc lui, je lui pose la tronche. Ouah. Je gagne plusieurs. Je passe Ouais, à 5. je passe à 5. C'est le garde du corps, Glenn, tu vois. Ouais. On a tué 13 rôdeurs en tout pour le moment. Allez, je passe à 5 ici. Ok. Et ben c'était pas mal. C'est dommage qu'il y en avait deux parce que là on aurait pu être tranquille. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Tout le monde a joué, donc là on doit mettre un pion dans la salle. Ici. Donc il se révèle pas, on est dans le noir, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, pour ça, il faut être juste à côté pour qu'il se révèle. Ouais. Tu vois, mais en fait, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être fait une erreur tout à l'heure. Parce que là, il nous verrait, en fait. Il a verrait Andrea à l'extérieur. T'ARS, il le voit pas. Mais dehors, dans le couloir, il y a la lumière. Donc, théoriquement, le rôdeur, il voit Andrea. Tu vois, donc il devrait se révéler si on le joue comme on a fait devant la porte. Mais Ah en non, non, fait. il se révèle, c'est. Non, mais il se révèle si. Faut que le survivant voit le rôdeur, mais le rôdeur est dans le noir, donc Oui, tu mais le vois pas, il se révèle pas. regarde, regarde. Tout à l'heure, on était en. En fait, tout à l'heure, il n'y avait personne dans la salle. En fait, nous, on était en bas, tu te souviens, on était ici. Et en fait, dès que le rôdeur arrive à la porte, ici, devant la porte, en fait, ici, et on l'a révélé par rapport à Andrea. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il était toujours dans le Ah, noir, en fait. Mais ouais, en t'as fait, je raison. pense que tant que c'est dans la pièce, ça ne se révèle pas, quoi. Ouais, Je clairement. pense. Bon, c'est pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ici. Ok, de toute façon, ça ne change rien parce qu'il va, il va se révéler. Donc, carte ébène. Bon, je pense qu'il va Carte falloir ébène. qu'on active un petit peu parce que je le sens moyen, là, les Ouais. cartes ébène. Hein. Tu sais ce qui va tomber après. Plus un des blancs en menace. C'est quoi le Attends, nom de la plus deux des carte? blancs. C'est un nouveau danger. Donc on passe à quatre en menace. Ok. Et on choisit un survivant, choisissez la pièce sécurité la plus Oh proche de lui et retournez le pion de non! sécurisation. Donc le pion de sécurisation, ben on va enlever ben le pion qui est juste au-dessus. Hein. Ben ouais, on n'a pas le choix, hein. Malheureusement. Ouais, juste au-dessus. Ici. C'est la salle qui est sécurisée. Ok. Voilà. Et Ensuite. d'ailleurs, comment ça marche, vu que c'était la salle du casier d'armes, est-ce qu'on bénéficie toujours de la règle? Oui, une fois que tu l'as débloqué, je pense que on en bénéficie toujours. Bah oui, c'est le fait d'avoir fouillé la salle. En fait, c'est un peu comme si on récupérait les armes de la salle. En tout cas, il faut quand même sécuriser les salles pour gagner la partie, parce que Ouais, on doit on le verra. sécuriser 4 pour l'instant. Ben, on n'en a plus qu'une. Ok. Donc, ben, les tokens se déplacent. Donc, lui, il vient devant Tyrese. Donc, eh ben, il se retourne. C'est un rouge. Vas-y. Ok, donc un rouge, c'est un. Ok. Donc, il y en a un. Devant Tyrese à côté. Ici. Donc après ils se déplacent, donc ben, eux ils sont déjà au corps à corps avec Tyrese.
Et lui, il fait donc 1, 2 sur glaive. Ici. Après, corps à corps. Donc, si tu veux, on peut commencer par Glenn. Glenn, lui, il fait agir déjà. Et il réussit. Par contre, comment ça se passe là? Alors, lancer le noir l'étoile, reculer Glenn d'une case ne résolve pas le. Ah ouais, mais est-ce qu'il peut le faire là? Tu fais qu'il est bloqué. Bon, on dit qu'il esquive sans bouger, quoi. Ok, donc il esquive sans bouger. C'est à Tyrese de défendre. Tyrese qui défend avec un blanc. Il fait 2 et un critique. Deux, un critique et le rôdeur. Il fait un. Ok. Attends, il n'y a pas un truc supériorité Ah, numérique? si, je crois qu'il y a un truc. Attendez, il est où le truc des rôdeurs? Ça, Tous il y les a pas rôdeurs ce truc. adjacents et sur me rajoutent leur dé d'attaque pour faire un seul jet. Sur. Jette un autre dé rouge en Ouais, fait. c'est ça. Et ben, ils font deux également. Donc, c'est bon, t'es tranquille. On va y arriver. On va y arriver. Oui, Donc. ici, Rick, bah, du coup, il peut pas se déplacer, donc bah, il est vénère. Donc celui qui a la plus haute réputation, il perd bleu, c'est Tyrese. Ok. Jette un des bleus. Il perd 2. Donc il passe à 5. Ok, donc tu retombes à 5. Ensuite, il va mettre une baffe à Glenn. Donc Glenn, il passe à 3. Ouais. Et il tue ben, les rôdeurs dans les 3 cases. Et il y en a qu'un, ben, il tue le rôdeur. Bah c'est cool. Tant mieux. Ah ouais. Ah Eric, pourquoi tu me frappes? Voilà. Hop. On peut y arriver là, on peut y arriver. Vas-y. Ici. Donc on passe Donc. à 16 rôdeurs tués en tout là. Il y en a tout à l'heure que j'ai pas compté là-bas. Ok, C'est fini. donc on monte de 1, on passe à 5. On passe à 5 ici. J'ai pas fait une bêtise, on était à combien en menace? Je crois qu'on était à Moi 3, j'avais non? noté, on avait noté 3, on passe à 4 Ouais, peut-être. on passe à 4. Ouais. J'avais un 2, toi. Ce qui me semblait aussi sur mon truc. Tout à l'heure, Glenn, il a couru, mais il n'a pas fait de bruit, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Ici, il n'y a pas de rôdeur à terre. Donc, je récupère la batte. Et c'est à moi. Le problème, c'est que moi, si je vais dans la salle là, je passe deux pour sécuriser. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de se. Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir. Si, remarque, je peux t'aider ici. Tu vois, Ah si, essaye de buter, il y a deux rôdeurs, Tu essaye vois, d'en buter un des deux. je vais Hein. essayer d'en buter un peut-être, non? Ou je vais encore à corps au pire, de toute Bah façon. ouais, on a trois personnages à côté, théoriquement, on peut arriver à les buter et sécuriser. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais jouer Andrea. On va basculer sur la vue de près. Je vais jouer Andrea. Andrea, elle fait 1 en diagonale. Donc je suis en bas de Tyrese. Et donc je vais attaquer au corps à Attends, corps. Ah attends, attends, putain, non, c'est pas attends, bon. deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je joue Glenn en premier. Je joue Glenn. Ouais, je joue Glenn parce que en fait, une fois qu'on aura. Attends, mais merde. Quoique ça va, on a encore un tour. De toute façon, Rick, il va pas rentrer là au prochain tour. 1, 2, il restera dehors. Donc c'est bon. En fait, on n'a pas le Ouais, choix non, parce que vu que c'est c'est toi bon. qui commences, on n'a pas le choix. Ouais, non, mais je vais jouer Ouais. Glenn en premier de toute façon. Regarde, essayer de garder mon calme. Donc je vais garder mon calme. Oh, putain, je loupe. C'est pas grave. Et je me déplace. Donc je vais faire 1, 2, 3, ici. Et c'est à toi de jouer. Ah, en fait, au lieu de garder ton calme, tu aurais dû rentrer dans la pièce et essayer de sécuriser. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on a le temps. Rick, il rentrera pas ce tour-ci dans la salle, donc on est tranquille. Donc, Tyrese, il attaque. Un des blancs, un des bleus. Il fait 4. Donc, il a fait tomber un. Et le but Il le après. tue, ok. Donc, je passe à 6. Reprends un point, tu passes à 6. Ça, c'est première À action. 17 rôdeurs. Et deuxième action, je peux pas attaquer encore.
Je vais garder mon calme, c'est tout ce que je peux faire. Je garde mon calme. Et je rate. Tu rates. À toi. Ouais, le problème, c'est que je peux attaquer, mais j'ai qu'un des rouges, quoi. Corps à corps. Tant pis, hein. Ça, il faut le faire. Donc, je fais 1, 2, 3, je vais derrière le rôdeur. Et je vais Ouais. essayer de le frapper par derrière. Dommage qu'il n'y ait pas un avantage quand on les tape par derrière. Allez, je fais 1. Et le rôdeur, il fait un aussi. Ok, donc je lui fais rien du tout. C'est à toi. Michonne, Ah une, ouais, putain, on va pas pouvoir deux. sécuriser encore ce tour-ci. Putain, en fait, j'aurais dû tirer comme un con. Michonne, il Ah se met, elle, Michonne, elle se met à gauche de Tyrese. ouais. Et elle attaque le rôdeur. Ok. Pardon, à gauche, ici. Ouais, elle attaque le rôdeur, un des bleus, un des blancs. Elle fait 3. Donc il Tombe tombe. par terre. Ok, ouais, on a mal joué en fait, j'aurais dû tirer, tant pis. Et Ben, on a tous joué. Hein. Le problème, c'est que là, il y a un ouais. nouveau pion qui arrive. Et c'est un blanc cette fois-ci. Oh my god! Et il y en a zéro. Putain, la chance. Ouf. Ouf. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ok. Carte event. Carte événement, une horde. Plus 2 à menace, donc on passe à 6. Et choisissez un survivant, placez 3 pions rôdeurs sur le point d'entrée le plus proche de lui, quel que soit le niveau de menace actuel. Sont on les met derrière, en bas, derrière nous. Donc il faudrait que je prenne Tyrese, celui qui est. Ouais. Ouais, je pense ici, non? Là-haut, le Parce problème, que c'est Glenn, c'est celui de ah gauche, ça marche pas. Donc. ouais. Ouais, puis il va voir aussi, il va voir Rick, ça va être chiant. Ouais, ben c'est ça. Le problème, c'est Bon, que on choisit. attends, il faut faire attention parce que attends, il faut bien calculer parce que le problème, si on les met là, ça veut dire qu'ils vont se déplacer et Tyrese, il va encore se faire attaquer. Ouais, mais. Ah, ou alors on joue sur le fait que Rick puisse les buter les trois Ouais. rapidement. Alors, attends, Ouais, placé. on choisit Glenn. Allez. Si on choisit Glenn, il va être en haut. Et si même Rick s'il s'énerve, au pire, il les Parce bute et que voilà si on quoi. les met 1, 2, 3, là, il y a ligne de vue. Ouais, après, il faut calculer parce que peut-être que même pas ils nous attaquent. Je pense qu'il vaut mieux qu'on tente ça. Allez, on tente là-haut. Donc, on fait 1, 2, 3 comme ça, en ligne droite. On se facilite un peu le Ouais. truc. Donc lui, pour moi, là, il y a En ligne ligne de droite. vue, je pense, hein, par rapport à. Par rapport Les à. deux en ligne de vue, en fait. Tu crois? J'ai un doute, moi, lui. Non, non, juste, Lui, non, là. juste celui du bas, t'as Ouais. raison. Ouais. Lui, oui. Là, c'est un rouge. Vas-y, je vais jeter un rouge, on va voir. Oh putain, il y en a deux. Bah mais c'est mort. Ça, t'es Là, il y a drôdeur. gauche. Ouais, T'en bah mets un là et l'autre à gauche, ouais. à Ouais, j'ai gauche. pas le choix. Ouais. Ah, derrière là. Ben oui. Ok. Ok. Donc, comme c'est rôdeur, comme c'est une horde, ben, il faut qu'on retire une carte Even. Non, non. Non, non, c'était ça, c'était le scénario 1. Ben, c'est pareil là dans celui-là. Il y a le double événement. Il y a Vagabond et une horde. Double événement. Comment ça double event? Vraiment? Eh ouais, on est débordé, c'est la prison. Non, t'es sûr? Eh ouais. Ah, double événement, puis ouais. Eh ouais, là ça a commencé à être pas bon là, parce que. Oh là là, ouais, c'est la fin. Vas-y. Ah, bon, c'est pas ça. Attends, d'ailleurs, une horde à la fin, c'est placer un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui. Ok, qu'est-ce qu'on fout? On fout derrière là-haut là? Ouais, là. Donc on le met où? En haut, sur le pion. Sur le Ouais, sur le pion pion. là. Hop, tac. Et donc, placer un rôdeur dans les trois cases d'un ligne de vue de Negan. Donc, Oh putain, donc c'est et ouais, plus un dé l'insulte. rouge.
Et plus un des rouges en menace, mais pas de. C'est zéro, donc Donc, c'est bon. 1, 3, 1, 2, 3. Un rôdeur à droite à 1, 2, 3, juste avant le tournant, quoi. Ok. Ok. C'est bon. Et le dé bleu, les dés rouges, ça fait quoi en menace? Zéro. Ok. Donc on est toujours à 6 en menace. Ok. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Alors. Donc c'est au pion de s'activer. De toute façon, on va prendre celui-là qui va aller ici. Donc lui, il voit Rick, il se révèle. Et il n'y a rien du tout. Bah, pas de chance parce que du coup, bah, lui, il a l'accès libre, donc il se déplace, il se révèle. Il y a un bleu. Oh my god! Il y a plus de pion en gros. Il y en a deux. Il y a plus de pion, mais en tout cas, il y a 4 rôdeurs. Ouais. Alors, on n'a qu'à les mettre comme ça. Je vois pas si tu peux rapprocher la caméra. Ouais, je vais te montrer. Ok, donc tu as mis un zigzag. Ok. Ensuite, là, il n'y en a pas, il y a lui qui va tout droit devant la porte. Oh, sacré. Ici. Par contre, maintenant, ils vont se déplacer. Donc, lui, il va tout droit sur Rick. 1, 2. Maintenant, là, ça fait 1, 2, 1, 2. Donc, on va aller le faire aller sur Glenn. 1, 2. Et je pense qu'on va tous aller les faire aller vers Glenn. 1, 2. 1. Et 1 ici. Donc, là, ils sont en ligne droite. Devant la porte. Voilà. Si tu peux rechanger la caméra comme ça, je verrai. Ouais, bien sûr. Hop là. Ouais, c'est bon. Donc, on commence par Glenn, si tu veux bien. Glenn, il va t'attendre de faire agile. Allez, Glenn. Il loupe. Donc, on est obligé de faire le corps à corps. Il se défend. Il fait 1. Ah, par contre, il y a Donc moi rôdeur j'attaque. agité. Hein. Les rôdeurs ajoutaient un rouge à leur jet d'attaque. Oh. Donc je jette deux dés rouges. Ouais. 0-0. T'as de la Donc, chance. j'ai la chance. Ok. Rick. Rick perd un point de vie. Tout le monde perd un des blancs de réputation. Donc, Andrea, elle perd 1. Glenn, il perd 2. Donc, Andrea, elle passe à 2. Et Glenn y passe à 3. Ok, Tyrese, il perd 1, il passe à 5. Oui. Et Michonne, elle perd 1, elle passe à 4. Elle passe à 4. Ok. Donc Glenn. Il y a 3. Du coup, Bon, ben, ça va être à Rick qui va se vénérer encore. ouais. Dans 2 petites secondes, je finis les points de réputation. Donc là, on est à la rage de Rick. Ben ouais, parce que là, on a fait des attaques des rôdeurs. Donc du coup, ben, Rick qui va Donc se celui qui a le vénérer. plus haut niveau de confiance, c'est Tyrese, il perd un des bleus. Ouais. Il perd un, il passe à 4. Il passe à 4. Ensuite, Glenn. Ah, mais il me voit Glenn perd. pas. Et il me voit pas à travers le mur, je pense. C'est à 3 cases. Les survivants dans les 3 Ouais. cases perdent un point d'endurance. 1, 2, 3, je suis trop loin. Donc, si aucun survivant n'est à portée, Rick fait du bruit. Donc, c'est plus 1. Plus 1, il fait du bruit. Donc ça veut Oh dire putain. que lui, il Ça sort. spawn aussi. Ouais. Lui, il va sur Rick. Ben, ça va aller vers Rick. Ici, 1, 2. Tac, lui, il est bloqué avec moi. Ça spawn ici. Hop. Oh là là.
Rick est vraiment mal Et barré. donc Rick, il balance son bleu. Ouais, fait 3, fait Allez, 3. allez, 2. 2. Ben... Gauche et droite. Hein. Et tac. Ok. Bam bam, deux bœufs. Oui, c'est bon. J'allais dire on a oublié quelque chose, mais non, je pense que c'est bon. On monte de 1, on passe à 8. On passe à 8. Et il y a un rôdeur à terre, donc est-ce qu'il se relève? Il se relève. Non, c'est pas grave, je vais le buter avec LTG. Ici et ben, je te passe la batte. Hop là. Ok. Donc, Tyrese d'attaque. Un bleu, un blanc. Il fait 3. Donc, Donc, il meurt. il meurt, donc tu le tues. Donc, tu gagnes 1 réputation et Je tu gagne passes à plus 1, je passe 6. à 5. À 6. Moi, j'étais à 4, je crois. Non, je passe à 5. Ok. J'ai dû oublier d'enlever un point tout à l'heure. Je Ok. passe à 5. Et. Ça c'est la première action. Deuxième action, je sécurise. Sécurise, donc Ouais. 3 blancs et il faut que je fasse 2. 2. Je fais 3, c'est bon. Et donc tu Sécurisé. gagnes 2 points, tu passes à 7. Michonne, elle prend un point, 7. elle passe à 5. Et Andrea, elle passe à 3. Ça c'est bien. Le niveau de menace, il perd 1, donc il passe Ouais. à 7. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ouais, Et à toi. à moi de jouer. 2 petites secondes. Du coup, je me rappelle plus un peu. Non, je crois qu'il faut qu'il y faut pas qu'il y ait de rôdeur hein, pour sécuriser, il me semble. Ouais, il faut qu'il n'y ait plus personne. Ok. Alors, Glenn, ce que tu peux te tenter, sinon, c'est d'appeler Rick Ouais, pour c'est parce que qu'il bute c'est ce les que je vais rôdeurs, quoi. faire. C'est ce que je vais faire. De Parce toute que là, il n'y a plus façon, grand monde. ouais, sinon on va pas s'en sortir. Sinon, Donc je vais après, il faire va se faire ça. attaquer, donc. Ouais. Donc Glenn, il va appeler Rick. Donc je jette un des bleus et je perds 2. Donc je tombe à 1. Ouais. En confiance. Je déplace de 1. Bah, de toute façon, il ne peut pas aller plus loin. Et je jette. Donc. Et il en tue 2. Donc les deux là. Ici. C'est bon. Et ensuite, ben, je vais attaquer. Hein. Si on peut le faire tomber au moins à terre, celui-là. Ah ouais, mais en plus, j'ai une double arme. Est-ce que je peux Ah non, attaquer? tu Ouais, ben, c'est butes. bon. Donc, allez. Je fais 3. 3 et je le tue Hein. avec mon tuyau. Ok. Il est mort. Allez. Il passe à 2. Et je passe à 2. Et Glenn a fini de jouer. Cool. Cool. Mission. Elle rentre dans la pièce où il y a Glenn. D'ailleurs, j'avais oublié de retourner le pion. Donc, tu fais 1, 2, 3. Et je sécurise Ok. avec 2. 2 des blancs. Et je tombe sur 3. Il fallait que je fasse 2. C'est bon, sécurisé. Donc, sécurisé. Ici, on passe à 6. Mission Toi, passe à tu prends 7. à 7. Et Glenn, il prend un point aussi. Je passe à 3. Ben voilà, c'est un peu nettoyé là. Et j'ai fini de mon côté. Donc c'est à Andrea. Toi, tu peux fouiller. Hein. Et garder ton calme. Ouais. Garder ton calme au maximum. Ici. Ouais, je vais garder mon calme. Je pense si on peut baisser encore la menace là, histoire de redescendre encore. Parce que là, on a sécurisé une, deux, trois. Putain, c'est con, hein, ce truc à tourner là. Deux, trois. Putain, c'est dommage. Ah putain, mais on a oublié là où il y a un pion là-bas qui est apparu aussi là. Ouais.
Mais il s'est pas encore déplacé. Après, ce Non. qu'on peut faire, c'est Ah, si je le. l'appelle, si Putain, j'appelais pas si t'appelles. Negan, Si... Ouais, Rick, si t'appelles oui, Rick, je comme ça, l'appelle. il va venir et. Ouais. Oui, parce que sinon, lui, il va encore le voir, il va encore se battre avec lui. Hein. Non, appelle Rick. Je vais faire libérer la route. Libérer la route. Libérer, délivrer. Alors, cette action peut être choisie que si Negan est en jeu. C'est le cas. Rick avance immédiatement de 3 cases vers le point cible. Ça peut faire 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça. Donc, 1, 2, ben, 3. Andrea, elle fait garder son calme. Je loupe et je fais libérer la route. Donc, il fait 1, 2, 3 Juste diagonales devant. sur le pion sécurisation. Ça ne Ah changera bon? peut-être pas grand-chose. C'est ça le chemin? Il allait pas sur. Derrière Michonne? Ah, attends, je me suis Ouais, peut-être trompé. juste en haut de Michonne en fait. Tac, tac, Regarde le tac, tac, chemin tac. sur la page Ah ouais, t'as raison. paléontologique. Hop. Ici, tu as raison. Ok. Non, ça changera peut-être pas grand-chose, mais au moins il sera avec nous dans la salle. Donc, on a tout joué. Bah, de toute Reste tracé là. façon, c'est carte event. Faut garder son calme au maximum et se diriger vers la sortie. Ouais. Carte event. Moins un menace, usine sécurisée. Oh, ça Ah, c'est. c'est bien On passe ça. à Mais 5. je crois qu'on verrouille des On passe à portes, ça, il me 6. semble. On passe à 5. Choisissez un survivant. Remplacez les deux portes fermées les plus proches de lui par des portes verrouillées. Ben, juste à côté de Glenn. Ouais. Glenn, hop, porte verrouillée. La porte où il y avait la où il y avait Ici. le truc spécial là, verrouillé aussi. Hop. En fait, c'est des portes fermées qu'il faut verrouiller. C'est pas des portes déjà ouvertes que tu reverrouilles en fait. Ah d'accord. Ils disent Mais... quoi? C'est quoi les portes les plus proches des survivants? Comment c'est pareil. Choisissez un survivant et remplacez les deux portes fermées les plus proches de lui par des portes verrouillées. Si on prend Glenn, Ça change rien. Hein. Les plus proches, ça va être les deux d'extrémité de toute façon. en haut à gauche et Et ouais, c'est ça, en en haut haut à à droite. droite. Ouais. Voilà. Bon, on fait ça. Ok, donc usine sécurisée, on avait dit moins 1, on tombait à 5. Ouf. Donc. Ça, c'est bon, on a fait un bon coup là. Ensuite, on déplace les pions. Donc, il descend vers le bas, celui en haut à gauche. Et celui qui est dans le couloir, il descend. Il monte. Le plus proche. Non, il Ouais, monte il de. monte dans le En coin en diagonale. Et lui, il diagonale. descend. Par contre, est-ce qu'il nous voit pas, lui, là? Moi, je pense qu'il voit quand même. Avec la Ah, il y a porte et peut-être qu'il tout, voit Glenn. ouais, Ouais, il je voit Glenn. pense, hein, Glenn ou même Rick, hein, je pense. C'est un blanc. Je laisse tirer le dé, s'il te plaît. Deux. Donc il est Ici. OK. Et ben, ils se déplacent du coup. Ils vont sur Rick. Non, Ouais, et Rick, il OK. va prendre deux baffes en plus là. Comment ça? Non, il n'y en a qu'un seul qui va sur Rick. Ouais. Ouais, Ah non, il va attends. sur le côté derrière. Je suis pas sûr moi qu'il rentre. Je suis pas sûr qu'il puisse faire ça en fait. Il n'y en a qu'un Mais seul qui va non, sur ouais, il Rick. n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, l'autre il est Ouais. derrière, il est bloqué. Donc Rick, il se prend une baffe. Je passe à 3. On perd tous un blanc de réputation. Donc Allez. Andrea, elle perd 2. Donc je vais passer à 1. Glenn, il perd 1. Mission. Mission 1 et Tyrese 2. Et Tyrese Glenn, passe c'est à 2-1. 5 et Mission 6. 5, émission 6. Ok. Ça, c'était les rôdeurs. Ensuite, c'est Rick. Rick, malheureusement, il commence son action adjacent à un rôdeur. Ça veut dire que celui qui a le plus de réputation, il repère un bleu de réputation. Et Michonne, cette fois-ci. Un des bleus, donc elle perd 1. Donc, tu passes à Ça fait 5. 5. Ensuite, il met un coup à tous les survivants à 3 cases. Donc, ça veut dire Glenn, Michonne et Andrea. On perd tous un point d'endurance. 4. Et 3. Ça fait déjà 4, hein, avec elle.
Glenn, il a deux maintenant. Ah, il passe à deux. Ouais, il a morflé, Glenn. Comme Tyrese. Et Andrea passe à Ouais. quatre. Ben alors. Ok. Du coup, ça c'était Eric. Et ensuite, ben, il faut qu'il jette un dé bleu, à savoir combien de rôdeurs es-tu. Allez, je jette le dé bleu. Ouais, s'il te plaît. Deux. Ben, il tue les deux là. Hein. Bah où? Ici, et en plus. Ah non, j'allais dire une bêtise. Ouais, c'est bon. Ok. Nouveau tour, plus 1, on passe à 6. On passe à 6 et il n'y a pas de rôdeur à terre. Il n'y a pas de rôdeur à terre. Donc du coup, là, il y en a combien? 1, 4, 6, 8, 8. On a tué en tout. Il faut foncer vers la sortie. Ah, il y a un coup, il y a 27 rôdeurs qui sont morts, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est moi qui récupère la batte. Ici. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace vers le bas. Alors, attends, parce qu'il faut sécuriser 4 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On avance et on libère la route. J'avance, je fais 1, Il 2, y a 3. deux, il y a... Ouais, il y a deux pièces en bas. Si tu regardes en Ouais. bas et en bas à droite, Ah, on va on va faire les juste deux là, resécuriser celle-là et c'est bon. ouais. 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 Donc, je joue Si tu un. peux fouiller, hein. Peux fouiller, il y a encore des trucs à fouiller dans la salle. Ouais, tu veux qu'on temporise un tour et on fouille? Je fais Non, mais un. enfin, il faut foncer et fouiller quoi. Et non, plutôt, enfin, c'est toi qui vois, mais faut surtout garder son calme pour éviter les Ouais. catastrophes quoi. Bon, je vais garder mon Je calme et je vais pense pas avancer. serait bien qu'on garde tous notre calme Ouais, minimum ça va. pour maximiser. Allez, B. Andréal y arrive. Allez, On tombe à passe à 5. 5. Et Andréal prend un point. Je passe à 2. Tu peux prendre une ressource. Hop, Tu peux tac. fouiller si tu veux, comme ça. Ouais, remarque, oui, j'allais à côté de moi. Remarque, je vais en profiter. Donc, je fouille. Elle est juste là. Andrea. Et on tombe sur les plans de l'usine. Bon, ben, ça ne nous servira pas à grand-chose, là, du fait qu'on a déjà tout ouvert. Et bon, ça fera toujours une carte en plus. Ici. Donc, moi, Andrea, c'est bon à la jouer. C'est à toi. C'est à moi, donc déjà je vais garder mon calme avec, avec Michel. Je rate. Et je me déplace de 1, 2, 3. Je me mets à gauche du point de sécurisation. Donc, vers le pion ressources plutôt là-bas. Ouais, je vais aller vers le puits de ressources Ok. le temps que Greg arrive. Ouais, ça va. Ok. Donc, je. Là, combien là? On a 5. Voilà, sécurise le métier. Tu Enfin, veux, je faut... garde mon calme encore un tour? Par contre, je pourrais pas Ouais. bouger ce tour-ci. Bah après, tu pourras fouiller, mais Ah, c'est pas grave. putain, merde. Loupe. Oui. Ici, et je gagne. Un extincteur. Donc, dépose cette carte pour retirer bleu pion feu situé dans les cases des survivants. Donc, ça, on va le garder parce qu'on ne sait jamais. Super important. Donc, allez, ça va dans mon pactage. Ici, j'ai fini de jouer, c'est à toi. Et donc avec Thérise, je vais en diagonale, une, deux, trois en diagonale. Donc je suis à deux cases de la porte du bas. Ok. Tu fais 1, 2, 3 ici. Et tu gardes ton calme, je suppose. Et je garde et je loupe, raté. Ok, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Alors, du coup, phase event. Avec Glenn, t'as oublié de fouiller? Ben, j'ai fait, ça y est, Glenn a joué, tout Ah le oui, monde a t'as raison. joué, hein, Ouais, t'as ouais. raison. Phase d'event. Déferlement, plusieurs menaces. Donc on passe à 6. Déferlement. Choisissez un survivant, la pièce la plus proche de lui, non ouverte, non verrouillée et non sécurisée, s'ouvre immédiatement. Ouvrez toutes les portes de cette pièce, bon, c'est comme on a eu tout à l'heure.
On ouvre la dernière, celle qu'il y a là-bas. Non, les autres sont verrouillées, on ne peut pas les ouvrir. Eh oui, on n'a pas le choix, on est obligé d'ouvrir celle-là. Les autres, elles sont verrouillées. Ouais, bah vas-y. Allez, hop, donc c'est celle-là qui s'ouvre ici. Donc carte pièce, mon ami. Carte pièce. C'est pas plus mal, de toute façon, parce qu'on va y aller. Argue, deux pions ressources et un bleu et un rouge de Ah ouais, comme rôdeur. tout à Je l'heure. vais. Ok. Un bleu et un rouge de rôdeur, ça fait. Oh purée, 4. Quatre rôdeurs dans cette pièce. Ah, Bah, on fait un on est carré si meilleur. tu veux. Comme ça. Hop. Dans l'angle. Ouais, un carré d'angle. Hop. Ici, et les pions ressources, on n'a qu'à les mettre. Deux pions ressources, on les met Là, ils sont des. deux Ben, on en met un dans le coin en haut et en bas. et dans le coin en bas à Et droite, voilà, comme ça, enfin en c'est bas à gauche. à peu près équilibré. Ici, donc ça, c'était la carte Even. Ben, ils vont se déplacer maintenant. Il n'y a pas de pion. Si un pion en haut, il avance de D'une 1 vers la case gauche. ici Et les et rôdeurs, ils avancent de 2, voilà donc donc 1 2 2. 1 2 devant la porte. Bah, de toute façon ils vont être comme ça 1 2 et 1 2 en espèce de zigzag comme ça. Ok. Je vois à peu près. Voilà, comme ça. Il y en a qui dépassent la porte déjà. Ouais, il y en a un qui est déjà devant la porte. Ok, c'est bon. Ok, donc ça c'était événement. Ensuite, c'est à Rick. Rick qui garde son calme et c'est moi qui ai l'initiative. Donc Rick, il foire. Il avance de 2. 1, 2, il est derrière Andrea. Nouveau tour, on passe à 7. Il n'y a pas de rôdeur à terre et je te passe la batte. C'est à toi de commencer. Ça m'a commencé donc avec Michonne, j'avance de 1 Ouais, hein. et pff, je fouille. J'ai envie de garder mon calme, mais en même temps, Ah bah c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire, on y croit. Donc ouais, tu je fouille. fouilles ici et tu vas choper une armure de fortune. Donc tu ajoutes un rouge à tes jets de défense. Et tu peux en fait dépecer la carte pour ignorer les morsures. Ou tu veux l'équiper ou tu la laisses dans ton pactage? Je laisse dans mon package. D'ailleurs, tu peux. N'oublie pas que tu peux défausser. En fait, putain, t'as oublié de soigner ta Iris et tu peux défausser des cartes gratuitement. T'as le cigare là. Tu pourrais gagner des points aussi. N'oublie pas que tu as des cartes que tu peux utiliser. Hein. Ah oui, en plus, une, deux, trois, ben c'est trois cases, c'est bon. Je défausse le cigare. Vu que Rick est à moins de 3 cases, je gagne un des bleus de ressources. Un de réputation, je gagne 2. Je passe à 7 de réputation. Allez, Michel. Ok. À toi. Ouais. Donc Glenn, il va garder son calme, hein, de toute façon. Il réussit. Donc on tombe à 6. Je gagne 1 de confiance et je vais me déplacer 3 cases. 1, 2, 3. Ben, en diagonale, je suis à côté d'Eric. Andrea, T'as Iris. garde ta. T'as toi, il a pas joué Ouais, d'Iris. Thérèse, t'as raison. T'as raison. Thérèse, il va aller dans la salle pour essayer de sécuriser, je pense. Une, deux, il descend. Et il sécurise. Donc, c'est un dé blanc. Il faut que je fasse deux. Ça va être compliqué. Allez, crois-toi, t'as Iris. Et il fait deux. Bien joué. Donc tu resécurises la salle, tu gagnes 2 points de réputation, tu passes à 7 hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 7. bon, 7. Et on descend à 5 la menace. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Ok, t'es sur 7 là, c'est bon.
Ici, on redescend à 5. Ok, donc c'est à Andrea. Andrea, ben, elle va garder son calme. On profite là. Allez, Andrea, elle loupe. 1, 2. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je suis juste devant le point d'entrée moyen. Ici. On a fini de jouer à carte event, Quatre si je ne dis événements. pas de bêtises. Plus un vagabond. Plus un la menace. On passe à 6. Placer un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Donc c'est en haut à gauche. Pour mettre un pion rôdeur. Ok. Ici. Et choisissez un survivant, placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui. Rick, là-haut. Bah, ouais, en haut, l'endroit, il y a Ici. l'armure avec. Donc c'est Et vu vagabond. que c'est vagabond, Ouais. donc j'en pioche une autre. Au secours! Laissez un survivant, la figurine accomplit immédiatement l'action appelée Rick gratuitement, sans payer le coût en réputation. Cependant, elle doit ensuite faire du bruit. Ok. Bon, tu peux prendre Andrea. Comme ça, tu le fais venir plus rapidement et voilà. Donc Andrea, elle appelle Eric. Donc on le fait avancer de trois cases. Une, deux. Une, deux. Ben, il est dans le couloir à côté d'Andrea. Ici. Andrea, donc elle fait du bruit. Elle crie. Donc c'est plus un. On passe à six. Tous les pions d'abord se déplacent. Donc lui, il avance d'une case. Lui, j'aurais tendance à dire qu'il fait demi-tour. Donc il retourne à droite. Lui, il passe en diagonale. Et eux, donc, ils vont aller de deux cases tout droit. En diagonale, même pas, il va faire 1, 2 devant la porte en haut. De près. Ici. Ouais. Ensuite, lui, il va faire pareil. Donc, il est là. Il fait 1, 2. Ouais. 1, 2. Et 1. Ben, voilà, on a préparé pour faire un carré. Ils sont ensemble là en carré. Terry, il a peur. Au secours! Il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Il n'y a Quand on est pas dans une salle peur. sécurisée, je crois qu'on peut se reposer. Ouais. Oui, tu peux te soigner. Et donc, tu as fait du bruit. Est-ce que j'ai monté de plus 1 par rapport au bruit? Oui, il me semble. Hein. On est passé à 6, j'ai dit. Et donc, ça spawn là-haut un nouveau token. En haut ici. Ok. C'était donc ça, c'était au secours. Ah, putain, merde. Ouais. Et on n'a pas C'est bon. déplacé les rôdeurs encore. Donc ça se déplace encore. Donc lui, il vient là. Lui, il vient en diagonale ici dans le couloir. Lui, il vient ici. Alors, est-ce qu'il y a une ligne de vue là? Est-ce qu'il y aura une ligne de vue sur Michonne en bas? Peut-être. Ici, ouais. Ouais, même sur Glenn, peut-être. Ouais, peut-être sur Michonne plutôt. Ici, je pense qu'il y a une Ouais, ligne de vue Michel. là. Et ben, il n'y a rien. Ouais, rien du tout. Ok. Ensuite, ben, eux, ben, ils vont avancer. Hein. Donc, ils vont avancer. Donc, ça fait 1, 2. 1, 2. Ben, ils avancent en carré encore, en horde, ici. Mais par contre, ici, là, ils te touchent. Hein, donc, il y a corps à corps. Ouais. Ici, il y a corps à corps. C'est tout. Donc, corps à corps. Donc, un des blancs défense. Je fais un. Oups, il a sauté le dé. Tu as refait à 2 1 critique. Donc tu reprends un Oh, shoot purée. dans la tranche. Oh, il ne reste que un point de vie. Aidez-moi, les gars, aidez-moi. Même temps, Michonne, elle n'a pas été sympa hein, avec toi. Elle pouvait te. Quand tu aurais rien changé, là, tu aurais repris la morsure. Ok, on arrive, on arrive, on arrive. Ok, donc ça c'était les rôdeurs. C'est à Rick de jouer, donc tu peux lui faire garder son calme et on le fait avancer. Je vais Tyrese. Il faut que tu joues Ah Rick. non, Rick d'abord. raté.
Et Ok. il avance de 2, donc Donc il est sur là, le deux. Bah, il fait. diagonale. Ouais. Ouais, c'est ça. Ici, et je récupère la batte. C'est ça? Purée, Oui, ça c'est ça. va être le bordel. Je le sens vraiment pas. Bah, si, Tyrese, ça va il est le faire, vraiment ça mal va le barré. faire. Ça va le faire. On Ouais. va dire à Rick qu'il fasse le ménage. Ah putain, Andrea, là, que deux points de confiance, quoi. Chier. Bah, je vais le faire avec Glenn. Glenn, il va donc appeler. Ah, mais est-ce que. Oui, tu peux l'appeler et aller vers l'avant. Théoriquement, il pourrait l'appeler qu'il aille vers l'arrière, non? Comment ça marche, ça d'ailleurs? Ils disent pas. Tu l'appelles où tu veux, en fait, non? Tu appelles où tu veux, non? Ouais. C'est où? Donc Glenn, il va l'envoyer dans le tas. Rick, on va tout défoncer. Ouais, tu peux choisir l'endroit Ouais. où il sera, en fait. Donc je vais jouer Glenn. Donc Glenn, je perds 2 de réputation. Donc je Passe à passe 2. à. Je passe à 1. J'étais à 3, il me semble. D'accord. Je passe à 1. Passe à 1. De toute façon, on s'en fout, hein. Je vais avancer d'une case, bien au corps à corps ici. Et il en Fais tue 3, fais 3. 3. 3. 3. Oui. Ici, bien joué. La Attends, t'as tronche. laissé celui en contact avec Thérèse? Ouais. Voilà, bah, ça va, tu peux t'en charger. Et ensuite, je Ouais, c'est vrai. vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Et c'est à toi. Ok. Avec Thérèse, j'attaque. Donc un bleu, un blanc. Il fait 2. Ok, Ah, il fait la donc défense. le rôdeur. Là, il fait 2. Putain, pas de chance, c'est pas possible. Et il refait, là il fait 3. Je vais faire Et l'inverse. bah, il tombe à terre, de toute façon, Après il tombe par il veut terre. pas, Ouais. pas faire trop le rôdeur. Et donc ça c'est ma première action. Et ma deuxième action, vu que je suis pas engagé, alors soit je fonce pour aller dans l'autre pièce. Soit je. Vu que je suis dans une salle sécurisée, théoriquement, je peux me soigner. Ouais, tu peux te soigner là si tu veux. Tu peux reprendre des Ou points alors je peux de. garder mon calme. Je peux peut-être garder mon calme. En me disant que je vais pas mourir. Mais... Bah, de toute façon, non, tu perds pas des points de vie par rapport à la morsure. Hein, donc. Ouais, donc je vais garder mon calme. Faut limiter la caisse. Je garde mon calme, mais je loupe. D'accord. Bon, fini. À toi. Ok. Par contre, moi, je suis en train de réfléchir parce que toi, tu pourrais faire quoi toi? 1, 2, putain, tu vas aller assez loin. Parce que moi, je pourrais aller tuer avec Andrea, tuer celui-là, mais je me demande si ça vaut pas le coup que je bloque le spawn plutôt. Ben non, parce que Rick, il va être vénère s'il y a un rôdeur. Ouais, non, je vais être obligé d'aller le tuer. Non, bah tu pas de... Pourquoi tu gardes bloqué le spawn? On est Je à sais 6, c'est pas, ouais, j'en normal. sais rien. Donc, je me déplace. Donc, je fais 1, 1, 2, ben 2, 3 à 3. côté. Et je le tue, vu qu'il est à terre. Ouais. Ici, je gagne un point. Je passe à 3. Ouais, j'ai fini de jouer. C'est à toi. Donc, je garde mon calme avec Michel. Et je loupe. Et Ok. bah, je vais en dessous de Glenn en fait. Hein. Ok, Je ne peux 1, pas aller plus 2, loin. 3. Ici. Ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. C'est carte ébène. Carte événement. Plusieurs menaces. Ils sont partout. Donc on passe à 7. Choisissez un survivant, le pion rôdeur le plus proche de lui devient deux pions rôdeurs. Oh là là. Donc c'est en haut, il y en a Ouais, bon, deux. ça va. On prend le quoi le plus proche. Donc lui, il devient deux pions Ouais. rôdeurs. On le met deux derrière, Ouais, dans le derrière. trou, ici. Placez le nouveau pion rôdeur dans une case adjacente, puis placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Donc c'est en haut à gauche, En haut. Donc il juste apparaît un peu devant. plus devant ici. Et voilà. Ok, et donc, alors attends. Ensuite, on déplace les pions rôdeurs de 1.
D'ailleurs, dans le couloir, là, ils ont tous vu sur Andrea, en fait. Ah ouais, putain, c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Ouais, donc bah, Trois, ils ont vu sur ils se Andrea. retournent. Allez, il y en a combien? Il y en a trois, là. Alors, donc c'est Mais je te dérange. du rouge. Rouge Combien de devant. rouges? Alors, rouge devant, 1. Là, il y en a 1. Derrière, c'est un blanc. Ensuite. 1. Et derrière, c'est encore un rouge. 0. N'y a que deux, ça va, On ça s'en sort. sort bien. Hop. Ici. Attends, on vient de la Donc, sortir en plus. du coup, là, ça va se déplacer. Donc, ben de 1 ici. Et il bloque l'autre, il ne peut pas lui sauter par-dessus. Là, ça avance de 2. 1, 2, et lui va derrière. Ici. Il n'y en a pas d'autre. C'est un C'est Rick bon. de jouer. Rick. Oups, là, il garde son calme. Il réussit. J'ai joué Ouais. Face à 6. face à 6. Et il se Il se déplace de déplace. 2. Donc il va tout droit. 1, 2. 2. Voilà. Dites-moi qu'on va Et gagner. c'est à toi d'abattre. Attends, il se déplace où? Juste à droite de André. Ouais, je l'ai mis à T'es droite. sûr? Pas trop T'es sûr regarder que le. c'est ça? Non, non, il se déplace en Ah, diagonale, il... donc ah il putain, mais vient. oui, je suis con, il va vers la zone là en bas. Ouais, il vient Alors attends, il était 2, où? donc il vient juste à droite de l'angle, en fait. De là, voilà. Ouais, mais je sais Et il est pas. à deux cases de la sortie. Ouais. En fait, on a gagné. Hein. Ouais, on a gagné. Mais je sais pas pourquoi je voulais en fait l'amener dans la salle là. Ben. Non, Ouais, ben c'est bon. après. Ouais, parce qu'il y a juste à l'appeler, c'est fini. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on sécurise cette salle-là? Pour avoir Attends, des il points en faut regarder. plus. C'est. Il est possible que Rick rejoigne un marqueur sorti avant que les survivants aient sécurisé le nombre requis de pièces. Et le nombre requis de pièces, c'est 4. 4, ça. Plus de la moitié des pièces doivent être sécurisées. Plus de la moitié. Donc c'est plus de 4. Donc c'est 5 pièces alors. Il y en avait combien de pièces à Il y en a sécuriser? 8. 1, 2, 8. Donc il faut 5 pièces. Ah, donc il en manque une. Ah oui, il en manque une. Mais c'est pas grave, on va aller dans la dernière, ça fera des points en plus. Oh, mais ouais. Allez, on va faire ça. Ok, donc du coup, ben, je t'ai rendu la batte, c'est à toi de commencer. Donc c'était à moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer avec Therese en diagonale. 1, 2, 3. Et je vais courir avec Therese, tant qu'à faire. Voilà, tu veux Non, pas ça change là, rien. c'est bon, vas-y, tranquille, Ça viens. change rien. Ils sont Ouais. assez loin là. 3 Non, et ils je sont garde assez mon loin. calme. Et je réussis, on passe à 5. Ok, donc là tu passes à 8 points. À toi. Et Je 8 passe à 8 points points. et on est tombé à 5. Hein. À toi. Attends. Sandra, tu peux venir avec moi aussi dans la salle, comme ça on sera deux, ça devrait. C'est toi, t'es où là quand t'as fait 1, 2, 3 ici? Ah oui, ouais, exactement, je suis là. Ok, donc moi je te suis, donc je fais 1, 2, 3, je suis devant toi et je garde mon calme. Allez, Andrea, elle réussit aussi. Donc Andrea, elle prend un point. Quatre. Je passe à 4. Et c'est donc à toi. Y en a 4 points de menace. Et donc c'est à moi, je prends Michonne, donc elle sort, elle va vers le bas. Ensuite, elle va en diagonale. Elle fait 1, 2, 3. Et ensuite, je garde mon calme et je rate. Et c'est à toi. Donc Léa y fait pareil. Je vais faire un tout en diagonale. Donc je fais 1, 2, 3. Et je garde mon calme. Et je loupe aussi, pas de chance. Ok, donc on a joué. Carte Even. Ouais, Glenn, il est une, deux, il est juste devant en diagonale Ouais, de Michonne. diagonale de Michonne, ouais. Carte événement. Donc, tir de panique. Choisissez un survivant, si possible, il doit être équipé d'une arme de tir et un ou plusieurs rôdeurs doivent se trouver dans sa ligne de vue. Il n'y en a pas. Non.
Le survivant effectue immédiatement une action de tir gratuite contre un de ses rôdeurs. Il fait ensuite du bruit s'il n'en a pas fait. Ben, ça ne marche pas. On peut lui faire faire du bruit si tu veux, simplement. On dit qu'il tire n'importe où. Voilà. Il fait ensuite du bruit, donc Donc on c'est. choisit, Michonne. Ok, donc Michonne, on lui fait faire plus 1, donc elle passe à, on passe à 7. Non, on passe à 5 Passe à en 5, menace. oui. Ouais, 5 en menace. 5. Et les rôdeurs se déplacent. Il y a déjà y a un jeton qui spawn en plus en haut. Ouais, alors attends, déjà on va faire les jetons. Donc les jetons ils se déplacent en diagonale. Ici. Tac. Ensuite, c'est les rôdeurs qui avancent de 2. 1, 2, 1, 2. Et comme tu as dit, il y en a un qui spawn là-haut. Ici. Ensuite, ça c'était pour la carte Event. Après, les tokens ils se déplacent encore une fois. Donc d'une case. 1, 1, ici. Après, ça se déplace de 2. Donc ça va faire 1, 2. T'as quoi en défense, toi, avec Michonne? T'as un blanc. Quoique moi, je peux essayer de tenter d'esquiver. Je fais 1, 2. Ici. Ok. C'est bon pour toi au niveau des déplacements ou tu veux que j'avance un peu? Ouais, j'ai l'impression que tu les as un peu trop déplacés, non, les robots? Non, non, bah écoute, ils sont déplacés avec le bruit. Et puis là, ils viennent de se redéplacer encore. Donc, il y en a un qui est contre Michonne, non, contre Non, contre Glenda, Glenn, ouais. Et l'autre, et il est l'autre dans, juste derrière, derrière. ok. Ouais. Ici. Ok, Donc, du coup, corps à ok. corps, ben, moi, je vais faire agile. Allez, Glenn, allez, c'est bon, bien joué. Et en plus, j'ai le droit de me mettre où je veux, donc je me mets là. Ici. Il n'y a plus de corps à corps. C'est à Rick. Rick, c'est toi qui as l'initiative. Avec donc jette il loupe et il se déplace de Il fait deux, un il arrive à 2. la sortie. Et il nous attend sur la sortie. Je récupère l'initiative et on Initiative. passe à 6. Plus 1. À toi. Et donc c'est à moi. Avec de la chance, j'ai juste à sécuriser la salle, on a gagné. Ouais, je rentre, je sécurise. Je fais 1, 2, ou je Ouais, tu fouille, peux tenter de ou je sécuriser, sinon sécurise. je. Tu peux tenter hein, si tu Ouais, arrives à bah t'aller. écoute. Ouais, le faire. C'est con parce que si tu rentres dedans la salle, ça te ferait des points à toi aussi. Ouais, mais tente, ça se trouve, tu vas pas réussir et je le ferme. Il faut qu'il arrive, Ouais, ouais, il ouais. faut faire deux déjà. Deux avec un des blancs. Bah, j'ai fait 2. C'est bon, t'as Donc, sécurisé. j'ai sécurisé. J'en passe à 5. Et en plus, j'ai le droit à 2 points de réputation. Donc, je passe à 6 avec Andrea. Ben voilà. Du coup, on va peut-être Et finir le donc là, tour, on... non? Comment ça marche? Ça prend fin directement ou on finit le tour? Dis pas, hein, s'il faut finir le tour ou pas. Tu veux qu'on finisse le tour quand même? si tu On peut veux, finir le tour, hein, comme on ça on peut voir. extermine les rôdeurs et puis ça nous fait gagner toujours un petit peu des points. Bah, on a quand même qu'à finir le tour en course, ça me paraît plus logique de finir le tour. Allez. Donc moi, C'est à moi. Andrea, c'est bon, elle a fini de jouer, hein, c'est à toi. Donc, Michonne vient se déplace de 1. Et avec Michonne, je peux utiliser mon katana pour attaquer deux rôdeurs à la fois. Alors, comment ça fonctionne déjà? C'est En fait, tu fais un bleu une seule attaque tranchante, en fait. Et tu tranches les deux. d'attaque de rôdeur. À la campagne. Ultimement, j'ai d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Donc en fait, il faut d'abord que je jette le bleu et le blanc contre un rôdeur. Et si je bats le jet d'attaque d'un rôdeur. Ah non, non, c'est Non, pour se non. défendre ça en fait. Oui, ça c'est Ouais, ça marche pas. non, c'est ton Non, katana en bas. C'est lors c'est le d'une katana. oui, d'une action de combat avec cette arme. En fait, l'arme, elle est considérée J'ai comme une seule d'attaque attaque, mais tu peux attaquer deux de cibles. rôdeur. Ok, bah, je vais tenter. Hein. Une attaque tranchante, quoi. Je fais 4. Oh. Alors attends, parce que du coup, il faut quand même qu'ils comment ça marche là? Oui, il faut qu'ils se défendent dans tous les cas, de toute façon. Donc le premier rôdeur. Ah oui, parce qu'après, il faut que tu calcules comment j'attribue tes scores. Le premier, il fait 1. Donc on va dire celui du bas, le plus proche de toi, en bas. Il fait 1. Et l'autre, il fait 1 aussi. Donc ça veut dire que Bah, tu c'est les bon. mets les deux à terre.
Ouais. Ici, parce que tu as fait 4. Ici. C'est quoi en fait? Parce que j'étais pas tué. Loupé. Bah après c'est ouais, c'est pas de chance, on n'arrive pas à faire de critique. Mais c'est quand même bien joué. Donc tu as fait quoi? Tu t'es déplacé, tu les as mis à terre. C'est ça? Ouais. Je vais Bah toi, jouer tu peux les Glenn. achever. Hein. Donc Glenn, il se déplace d'une case ici, à côté de Michonne. J'utilise mon tueur métal pour frapper celui à deux cases derrière. Donc lui, il est mort. Ici, et comme ça, Glenn, il passe à 2 points de réputation. Et c'est à Tyrese de jouer. Et Tyrese, il se met à côté du rôdeur et il tape. Et but. Hop, tac. Et tu le zigouilles aussi. Tac. Pas ça. Ah, Tyrese, il a fait. Il a morflé, mais il a fait bon 2 points. Ok, Et c'est bon. ben du coup tout le monde a joué, ben c'est pas événement. C'est pas la peine jusqu'au bout, je pense. Rivaux acharnés, choisissez un survivant et de choisir un autre survivant dans sa ligne de vue. Ce deuxième survivant doit choisir entre perdre un point blanc de réputation ou prendre un pion moins un action et donner au premier survivant un pion plus un action. Ah, vas-y, on peut faire Eh ben ça. on met ça. Allez, Ben, à la fin il prends. s'énerve. Ouais. Allez, je prends Glenn. Glenn il prend un moins 1 et Michonne elle prend un plus 1. C'est bon? Allez. Plus un, moins un. Ici, donc les tokens qui sont là-haut, ils se déplacent d'une case. Hop. Et hop. Il n'y a plus de rôdeur debout. Ben Rick, de toute façon, il ne fait plus rien parce qu'il est arrivé sur l'objectif final. Fin de tour, on monte pas de plus 1 parce qu'on a sécurisé 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a sécurisé également 5 pièces. Et on a gagné le scénario. Voilà, bah bien joué. Wouhou! Bien joué C'est. aussi. C'était tendu à un moment donné, mais ça va, Ouais. c'est bien rattrapé. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien rattrapé. Et ouais, tu vois, c'est ces petites confusions qu'il y a avec l'outoir, les morsures. C'est vrai qu'en fait, le problème, c'est qu'on est tellement habitué à jouer à un jeu, quand on joue à peu près à un même style de jeu, son frère ou sa sœur, ben on peut être confus par rapport aux règles. Les deux se ressemblent, en plus il y a beaucoup de règles des fois avec les mêmes noms et tout, donc Ouais. c'est proche quoi. Donc, mais c'est pas plus mal là, comme ça permet de. Le fait d'avoir refait deux parties, tu vois, de Yerzrik en peu de temps, ça permet quand même de moins se tromper dans les règles. On a quand même mieux joué que la dernière fois, je trouve. Ah putain, avant désolé, je te coupe. Avant qu'on finisse le tour, ça aurait été peut-être bien que tu lui soignes la morsure à Tyrese avec ta carte là, avec ton médicament. Ah ouais, mais là c'est trop tard. Bah, tant pis pour toi. Et là, du coup, tu vas devoir jeter un dé blanc ou je sais pourquoi, pourquoi. Donc pour la morsure. Bon bref. Oui, c'est ça. Après, le problème, c'est Attends, que. non, attends, je peux le faire n'importe quand. Mais normalement, c'est pendant ton tour. C'est vrai que là, on est allé jusqu'à la fin de tour. Il faut que tu le fasses à ton tour. Je croyais qu'il fallait utiliser une action pour le faire. Non, je pense que si tu défausses la carte, pour moi, défausser une carte, c'est pas considéré comme une action, je pense. Ah ouais. En fait, on considère que Ouais, bah, t'as qu'à le soigner. Bah, vas-y, c'est bon. il est juste à côté, donc allez hop, Ouais, il c'est est ça. soigné. Petit coup de piqûre. C'est fin de partie en plus. Il est à côté de toi. C'est bon, on peut Il dire joue aux que. fléchettes sur lui, et voilà. Donc du coup, il a un point de vie et il a été soigné de sa morsure. Ouais, c'est vrai que oh, ça fait pas trop longtemps qu'on a joué, mais on peut être surpris par certaines règles. Mais après, c'est sûr que si on ne veut pas faire d'erreur, il faudrait tout le temps jouer plus régulièrement, quoi. Mais non, franchement, non, Ça va, ça met bien les bruits. c'est un super jeu. Mais tu vois, je me demande moi dans ma campagne aussi si j'avais pas fait des erreurs par rapport à la défense. Et je me demande si la partie d'avant, on n'a pas fait une erreur sur ça, hein, sur la défense. On va bien relire ça. Ouais, c'est Mais possible. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait, mais. c'est parce que ça me paraît quand même tendu. Ça veut dire que les rôdeurs auraient plutôt moins d'intérêt de les éviter au maximum, quoi, finalement. Parce Ouais, alors que. que l'autre, tu vois, tu te sers de ton attaque, en fait. L'attaque, c'est la meilleure des défenses dans l'Alatoire, alors que là, pas du tout. Et oui, parce que c'est tu défends,
Mais eux aussi, ils défendent. Donc, en fait, parce que dans Old War, les rôdeurs attaquent toujours. Donc, en fait, c'est pareil, c'est un avantage et un inconvénient. Parce que là, dans celui-là, au moins, eux, ils défendent, même s'ils font un plus gros jet que toi, ils te mordent pas. Donc, ça, déjà, c'est un avantage. Mais par contre, toi, quand tu fait, là, tu défends. peux. Ouais, si tu peux bien t'y prendre en allant vers eux et en les tapant avant même qu'ils aient le temps de t'attaquer, quoi. L'idéal, c'est ça. Il faut être bien équipé de deux armes, comme Tyrese, hein, quand tu as deux armes, même Ouais. Glenn. C'est vrai que tu es beaucoup plus efficace. Et. Ça, c'est une bonne astuce, hein. Ça, tu peux Oui. pas le faire dans l'autre war, tu vois, le fait de foncer sur quelqu'un et de le taper avant même qu'il puisse t'attaquer. Après, Espèce de pareil, premier jet, hein, tu vois. quand tu combats ou Tyrese il est en défense, il est bon quand il y a trois rôdeurs ou plus. Et Michonne, c'est pareil, il est fort, mais il faut que. Bon, en Ah, fait. c'est chaud, trois rôdeurs au plus, t'imagines? Ben, c'est pour Même ça. si tu C'est pour ça que je te peux dis. relancer n'importe quel jeu de combat, mais c'est galère. C'est pour ça que je te dis qu'il faudra bien qu'on relise la règle, parce que je me demande si tu n'utilises quand même pas son arme en défense. Parce que comment tu fais avec un dé blanc pour battre trois rôdeurs? Faut vraiment avoir de la chance. Ouais. Si vous êtes engagé avec trois rôdeurs ou plus, Tyrese peut relancer n'importe quel dé de combat ou de défense une fois. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, ouais, d'accord. Bah C'est pas super fort quoi. en combat, c'est bien, mais en défense, c'est plus chaud. Faudrait il faudrait qu'il y ait une armure de fortune ou un truc, tu vois, qui te protège. Ouais, en fait, c'est Michonne aussi qu'il faudrait mettre en avant, en fait. Parce que Michonne, quand elle bat la défense, elle peut faire une riposte, en fait. Ça, c'est quand même pas mal de pouvoir riposter. Donc voilà, bah, écoute, bonne partie. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec toi, encore une fois. Hein, ça fait plaisir. Bah. Je pense qu'on a essayé de faire le moins d'erreurs possible. Donc, ce qu'on va regarder, on va faire le calcul des points de confiance pour notre mode survie. Hein. Un petit peu où on en est. Alors. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, Tyrese, il a 9 points. Michonne, elle a 7 points. Ouais. Andrea, elle en a 6. Et Glenn, il en a 2. Donc on passe à 24 points. C'est pas énorme. 24 points, je pense que ça va faire comme la dernière fois. On est 4. 24 points, réussite de justesse. Donc réussite de justesse. Donc Rick admet à contre-cœur que vous avez fait le job. Mais il vous prend tout votre matériel pour vous assurer que vous ne vous reposiez pas sur vos lauriers. Je crois que c'est comme la dernière fois en fait. Le survivant qui a la plus Merde. faible réputation perd un point d'endurance. Oh le salaud. Donc je passe à un point Avec Glenn. d'endurance avec Glenn. Cela peut les tuer s'ils ont été mordus. Vous devez dépenser toutes les cartes ressources que vous avez récupérées durant la partie. Ok. Donc alors attends. Donc ça c'était les Toutes les cartes résultats. ressources, ok. Ouais, bah du coup on gagne rien alors sur ce tour-ci. On perd tout. Pas de chance. Donc les plus 1, moins 1, je pense qu'on les perd aussi, hein, vu que c'était le truc de la partie. Ah, pas sûr ça, parce que ça c'est pas des cartes ressources. Ok, bon, Toi on par exemple la dernière perd. fois t'avais bien gardé un plus un, tu vois. Alors ensuite, donc c'est blessure. Toutes les figurines ayant perdu d'endurance, mais qui n'ont pas été mordues, récupèrent bleu. Loupé. Donc Glenn. Glenn, il récupère 2. Donc je passe à 3. Donc toi, t'as Tyrese. Tyrese, il a une morsure, donc Ah non, Et non, c'est il vrai l'a qu'on a dit plus, il qu'il l'a était plus. soigné. Je récupère deux. Ok, donc tu passes à 3. Eric. Il récupère 2. Donc Rick, il passe à 5. Michonne, elle récupère 3. Mais elle était à fond, Michonne. Non, elle avait perdu des points. Ah oui, elle avait perdu des points de vie, Michonne. Elle a perdu un point, je crois. Ouais. Quand Rick il s'est énervé contre elle. Donc elle est full maintenant, Michonne. D'ailleurs, je me demande si Andrea, c'est pas pareil, s'il n'avait pas perdu un point de vie. Ben, si, elle faisait partie du groupe Ouais. à côté. Là. Ah. Ici.
Ouais, André, elle a perdu un point de vie aussi. Bah, de toute façon, je peux faire un minimum avec le bleu, donc elle récupère son point de vie. Il n'y a pas de phase vierge sur le bleu. Ici. Ok, donc ça, c'était les blessures. Ok, et donc, ah oui, c'est pour ça que j'avais gagné un plus 1, en fait. C'est parce que c'est le bonus du caïd. Et le caïd, c'est Tyrese. Donc Tyrese, mon ami, tu gagnes un plus 1 action. Et Michonne a plus 1. Et Glenn, il a moins 1, mais ouais, moi j'ai un doute selon les gardes. J'ai vraiment un doute. Vu que c'est des trucs de partie, je sais pas. Bon, écoute, on va Bon, aller. si tu en enlèves, ouais. Ouais, écoute, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors le Bon, tu concours qu'on les arrive. enlève, Attends. voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a que le truc de Kate qui compte. Et... Ouais, je pense que ça c'est dépecé en fait, vu que c'est des trucs de partie. Ok, bon, mais c'est bon pour moi, tu vois, on a tout remis à jour pour la prochaine partie. Donc, prochaine partie, ça sera le scénario numéro 3, nettoyer la prison. Ok, bon, ça s'annonce un gros scénario encore. Là, je vois qu'on a quand même passé un peu plus de 3 heures. 3 heures de game, donc ouais, c'est quand même un gros jeu, hein, où c'est des grosses parties quand même. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'étonne avec ce jeu, tu vois, c'est que les All Out War, je pensais que c'était un jeu qui des fois prenait assez de temps. Mais en fait, les parties de All Out War sont des fois plus courtes que les parties de Rezric, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu par rapport au. C'est un peu, je pense, comme un peu, tu sais, du zombicide ou des trucs comme ça va faire beaucoup, ça va dépendre de ce que tu vas looter, de les cartes événements que tu vas tomber. En plus, en sachant que dans ce mode de jeu, il y a la horde là. Donc, du coup, avec la horde, le problème, c'est que. Comment ça s'appelle? C'est que tu dois refaire des événements à chaque fois. La horde des vagabonds. Forcément, ça fait rentrer du monde. Là, on a Ah eu oui, ouais, obscur. que On t'as a pas eu. avec le avec Negan. Ah ouais. On a eu l'obscurité où on a été bloqué un petit moment. Donc Ça peut faire non, mal, c'est ça. vrai que c'est un jeu où, selon les événements sur lesquels tu vas tomber, ben forcément, le jeu va durer beaucoup plus longtemps, quoi. Que dans Loot War. Ben une fois que tu as stabilisé la menace et que tu fais attention aux cartes événements et tout, tu es plutôt tranquille, quoi. Il n'y a que vraiment quand tu vas créer beaucoup de chaos où ça va être un peu la panique. Mais sinon, c'est vrai que les parties vont quand même assez vite. Hein. En fait, c'est beaucoup moins explosif dans le toit parce que t'as pas autant de cartes comme ça qui peuvent s'ajouter avec un coup tu te fais submerger quand même. Ouais. C'est peut-être le fait qu'on ait pris l'habitude d'y jouer que maintenant on anticipe. Ouais, bah après, oui, après peut-être. Hein. Après, de toute façon, c'est vrai, quand tu connais bien un jeu, après, tu as tes tactiques, on va dire, ou tes techniques pour gagner du temps. Là, c'est vrai, quand on avait rediscuté de ce jeu, on avait dit, bah, au pire, on trace, tu vois. Mais là, comme tu dois quand même sécuriser un minimum de pièces, donc tu peux pas aller trop vite non plus. Parce qu'après, oui, tu pourrais très bien appeler tout le temps Rick et en fait tracer jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est fait exprès, tu as quand même des conditions de victoire, sinon ça serait peut-être trop facile. Ouais, Ouais, rien que là, tu vois, on est tout le temps de justesse, quoi. mais il est dur, hein. À la fin, on a quand Moi, je sais, quand j'avais fait même. la campagne de Negan, non, c'est un jeu qui est difficile, hein, franchement. Et encore, je te dis, il y a certaines règles où j'ai dû faire des erreurs, j'ai dû faire plein d'erreurs, même, hein, sur ma première campagne. Non, il était déjà difficile, hein. C'est un jeu, il est pas facile. T'es plus souvent dans le négatif. Dans le positif, au niveau des gardes et les cartes ressources, il est quand même assez punitif, hein, au niveau du mode survie. Ouais, je pense qu'ils ont fait exprès justement pour inciter à rejouer aussi. Oui, ben c'est tout à fait, c'est ça, hein, je pense, c'est pour la rejouabilité. Et puis, du fait qu'il y a ce système de cartes ébène, de cartes pièces, en fait, même si tu rejoues la même partie, tu vas pas avoir les mêmes cartes pièces au même endroit, les mêmes interactions. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait quand même une belle rejouabilité du jeu. Ça reste un très très bon jeu. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, en tout cas. Et puis là, de pouvoir jouer Rick avec sa bande, je trouve ça assez excellent. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu essayer de nous faire un graphique, tu vois, pour pouvoir
essayer d'équilibrer d'autres personnages. Parce que après, tu pourrais très bien te faire plein d'autres parties en équilibrant des personnages et en les incorporant dans ce mode de jeu, quoi. Franchement, je pense que tu peux le faire. Si tu as vraiment envie de jouer un autre personnage, tu prends un peu les armes qu'il a au niveau de la figurine, tu vois. Tu te crées un peu des règles en t'inspirant de ce qu'il y a, et voilà, quoi. Tu peux très bien faire des parties, t'inventer des parties avec d'autres personnages, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait être marrant, hein. Tu pourrais te créer, en fait, tu pourrais te créer un beau mode de Des jeu, hein, prisonniers, parce par exemple, que... tu vois. Faire une campagne spéciale, les prisonniers, avec. Ou d'être Erzrick ou Erzigan, c'est Erz the Prisoners, tu Ouais, vois. carrément. Les prisonniers Erz the Prisoners. qui se retrouvent enfermés dans la cuisine à la fin de la campagne, quoi. C'est marrant. Ça, ou tu pourrais même faire non, pas le sanctuaire. Tu pourrais même faire tu sais, les avant-postes et tout, c'est pas mal ça aussi. Les Me tenterait avant-postes bien, c'est avec. vraiment de faire... Comme tu as dit au tout début, là, la campagne Rick contre les prisonniers dans la prison en utilisant les tuiles. Parce qu'il y a le scénario, c'est lequel déjà? Tu as le scénario étendu là dans l'anthologie. Ouais, ben, quand on Et fera celui-là, ouais. Quand on aura fini la campagne, on se fait celui-là derrière. ouais. Celui-là, il me tente bien, quoi. Utiliser les règles de mixte un peu avec du aléatoire, mais sur les tuiles de la prison, ça peut être marrant. Ah ben, on fera ça. On fera ça. Bon, les copains, voilà, j'espère que cette partie de Erzric vous aura plu. En tout cas, encore une fois, nous, on a pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. On essaie de jouer le plus rapidement possible, mais ce n'est pas évident. Il faut quand même qu'on réfléchisse. Après, par rapport aux événements, ben, le jeu il prend beaucoup plus de temps. Mais en fait, ce que je vais faire, je vais vous faire des chapitres de toute façon sur la vidéo pour que vous puissiez reprendre à un moment de la partie si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo en entier, parce que ça fait quand même long, 3 heures de game. De toute façon, on va continuer cette campagne-là. Après, on verra si on revient un petit peu sur du Outwar. Sachez qu'on a travaillé sur pas mal de choses, hein, avec William, avec Horn, sur toutes les nouvelles factions. Également, on essayera, ça ne va pas être là dans l'actualité, mais on essayera de faire la suite, hein, la suite de Hall of War, des scénarios solo. Je crois que c'est le nouveau monde ou un autre monde, je ne me rappelle plus comment j'avais appelé la nouvelle extension. Alors, on fera peut-être, je ne sais pas si on fera un hors-série volume 2 ou si on fera plutôt des chapitres d'extension comme avait fait Mantic Game. Ils avaient fait quelques scénarios, genre 8-10 scénarios par extension. Je pense qu'on fera des petites extensions comme ça pour qu'on puisse continuer justement ce mode histoire et ce mode solo pour pouvoir continuer Hall of War. Également, j'ai du V-Sabotage qui va arriver. On doit continuer la campagne de No Sanctuary avec les copains. Non, on a pas mal d'actualités, pas mal de jeux. Je prépare un nouveau jeu aussi sur lequel je travaille ces derniers temps. Donc ça sera pareil, des nouvelles vidéos qui vous attendent sur la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très très vite, les copains. Allez, ciao tout le monde.